Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus, vous êtes sur Nura TV et je sais que vous êtes impatients ce soir de retrouver notre chère Elisabeth de Caligny sur l'antenne de Nurea. Moi je suis très heureux de repasser une soirée en votre compagnie et surtout en compagnie d'Elisabeth parce que comme d'habitude nous allons tous être suspendus à ses lèvres, suivre cette histoire et ce soir c'est une histoire pas piquée des hannetons qu'Elisabeth va partager avec nous puisqu'on va retourner dans la France d'après-guerre aux alentours des années 50 dans un village qui s'appelle Pont-Saint-Esprit. Je suis sûr que vous en avez tous entendu parler mais la manière dont Elisabeth va nous réciter, va nous raconter la folle histoire de Pont-Saint-Esprit, je pense que ça, vous ne l'avez jamais vu. Elisabeth, sois la bienvenue parmi nous. Merci. Merci Guillaume. Ah oui, aujourd'hui ça va faire fort, hein. On va passer d'un fait divers. C'est une histoire pas banale. Ouais. Non, elle n'est pas banale. Et c'est un fait divers qui a marqué les esprits, puisque je me souviens quand j'étais gamine, mes grands-parents m'en avaient parlé. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a intrigué beaucoup de gens, avec un énorme point d'interrogation. À l'époque, on parlait pas de certaines choses, puisque ça a été divulgué après. Mais vous allez voir que cette histoire pourrait bien avoir un rapport sur lequel je m'étendrai largement, avec certaines opérations secrètes qui ont été menées par la CIA à partir de juste après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. D'accord. Eh ben, pas de la tarte, hein. Oui, je crois que ce soir, on va quand même rester tous bouche bée. Mais avant ça, quand même, je vais t'accueillir comme il se doit et te demander comment vas-tu, parce que les Nuréens sont nombreux régulièrement à nous demander tes nouvelles. On sait que depuis plusieurs mois, tu as traîné cette saloperie de Covid. Et moi, j'ai l'impression que ça va quand même drôlement mieux. Et d'émission en émission, à chaque fois que je te revois, je te retrouve de plus en plus resplendissante. Donc, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais très bien. Je vais très bien, mais très bien où j'ai retrouvé ma forme olympique, même d'avant, depuis des années, depuis à peu près 3 semaines. Après avoir eu un pic qui a failli me mener à l'hôpital dans la nuit du 7 au 8 mai. Ah oui, c'est vrai. Miraculeusement, 2 jours après, je suis redevenue plus énergique que je ne l'ai jamais été depuis longtemps. Donc, je comprends pas ce bazar. Alors, de temps en temps, j'ai des petits pics, comme il y a 3 jours. J'ai cru que j'allais me refaire des problèmes respiratoires. Je me suis blindée de vitamines, de machin. C'est passé. Mais j'ai l'impression que ce bazar, c'est tournant. Alors là, bon, je vais beaucoup mieux. J'ai beaucoup moins de soucis, ça c'est sûr. Mais j'ai été très mal foutue pendant près de 2 mois. Oui. Avec un pic qui m'a vraiment fait peur. C'est inflammatoire. Et ça touche tout, le bide, les poumons. Quand ça me prend, ça peut durer un certain temps, mais c'est très, très curieux, ce bazar-là. Puis alors, il y a quelques jours, j'ai été encore prise de ces envies de dormir épouvantables, où je dors tout le temps, quoi. Et là, j'avais beaucoup de choses à faire, notamment préparer cette émission, écrire un article également pour Antoine, Génération Cité d'Or, qui est un gros truc. Il y a 2 jours, j'étais en vrac et je dormais tout le temps. D'accord, j'avais plus de cerveau. Bon, des hauts et des bas, toujours, c'est quand même assez intriguant. C'est beaucoup moins long qu'avant, mais je ne comprends pas. De toute façon, je ne reconnais pas mon corps. Le fonctionnement de mon corps ne m'est plus connu. Je n'ai plus mes paramètres d'avant, mais plus du tout. Hein. Je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. C'est assez incroyable. Je ne comprends pas. Donc, faudra faire avec, j'ai l'impression. Hein. Là, en ce moment, je vais très bien. Puis, hier soir, j'étais à l'anniversaire de la fille d'une de mes copines, Charline, qui a eu 10 ans. J'ai dansé, on a fait la fête, c'était drôle. Voilà. Mais je fais pas ça tous les jours. Quoi. Oui, alors, ça, on est un peu tous pareils. Les années passant, on fait plus la fête tous les jours. Enfin, je me suis quand même aperçue que je pouvais pas faire le singe trop longtemps parce que je suis très vite essoufflée et j'ai plus la même résistance qu'avant. Ce que je faisais encore il y a un an, je peux plus le faire. Enfin, avant d'être malade, je peux plus le faire maintenant. Ça, c'est sûr. Mais enfin, je peux quand même m'agiter un peu pour la fête, quoi. Voilà. Faut pas que ça dure trop. Et trouver l'énergie, encore une fois, à partager avec nous ce que tu as investigué sur ce dossier, comme les nombreux dossiers que tu partages avec nous. Rien que ça, physiquement, c'est aussi une prouesse de s'exprimer pendant 2 heures, non-stop. C'est très fatigant. Ouais. C'est très fatigant et j'accuse le coup à chaque coup, c'est le cas de le dire. Hein. Après, je vais me coucher. Ouais.
Voilà. Bon, bah, Je suis fatiguée. je compte sur les durées, hein, même si cette émission sera diffusée en différé, hein, puisque c'est une émission enregistrée, pour t'envoyer les meilleures ondes qui soient, les Oh, pensées les mais ils plus m'en envoient positives. plein, Ah, ils mais m'en je envoient sais. plein, c'est très gentil à eux. D'ailleurs, je les remercie parce que j'ai eu beaucoup de messages très gentils. À chaque fois, tu me transmets de gentilles choses et ça me touche beaucoup, à vrai dire, qu'on fasse autant de attention à moi et qu'on m'envoie d'aussi gentils messages et de si gentilles choses. Vraiment, c'est sympa parce que bon, après tout, hein, c'est pas obligé. Ah ben, je sais que les Nuréens te portent dans leur cœur et c'est pas des paroles en l'air. Non, mais ça, je l'ai remarqué. Et d'abord, je suis étonnée, mais je suis également très, très touchée. C'est gentil. C'est vraiment gentil. Donc, merci à vous toutes et à vous tous, parce que ça me remonte le moral. Et voilà, quoi. Quand je ne l'ai pas, hein, bon, je l'ai plus, je l'ai beaucoup plus maintenant. Parce qu'à un moment, je l'avais un peu moins. Mais bon, ça fait toujours plaisir. C'est une forme de manifestation de reconnaissance aussi, je le prends comme ça. Et je me dis bah que bah je fais pas des efforts pour rien quoi. Voilà. Oh non, oh non. Eh ben écoute, Voilà. merci pour ces nouvelles, merci pour l'histoire que tu vas partager avec nous ce soir. Et comme d'habitude, je vais laisser la place, je te laisse nous conter la folle histoire, et c'est pas peu dire, de Pont Saint-Esprit. La folle histoire, c'est le cas de le dire, oui, effectivement, et l'étrange histoire et très mystérieuse histoire de ce qui s'est passé à Pont-Saint-Esprit dans la période d'après-guerre, puisque ça s'est passé durant l'été 1951. Alors, Pont-Saint-Esprit, c'est où? C'est une petite ville du Gard qui longe le Rhône, qui est absolument merveilleuse, comme vous pouvez voir sur les images. Et ça va se gâter, c'est paisible, il n'y a jamais d'affaires étranges là-bas, pas d'histoire, rien de spécial. Et d'un seul coup, le 17 août 1951, tout va changer. D'abord, ce matin-là, les deux médecins de la ville, qui s'appellent Docteur Vieux et Gabaye, il y en a d'autres, mais ceux-là en particulier, puisqu'ils ont témoigné, constatent que leur salle d'attente est pleine à craquer, ça se bouscule au portillon. Alors, il remarque également qu'on vient en famille, c'est-à-dire que c'est souvent des patients d'une seule et même famille qui se présentent, et tous décrivent des symptômes qui sont à l'identique, savoir des vomissements, des nausées évidemment, des diarrhées, et puis des sensations extrêmement étranges de froid. Ils ont froid. Ils ont froid aux pieds, ils ont froid aux mains, ils ont du mal à tenir debout parce qu'ils ont terriblement de terribles vertiges. Et quant les médecins écoutent le cœur battre, ils se rendent compte que les pulsations sont très lentes, ils sont à 50 pulsations minute, et surtout que leur tension est très basse, puisqu'ils peuvent descendre à 7-8. Mais certains d'entre eux ont pris leur température, et stupeur et tremblement, ils sont tombés à 35. Et alors, ça va très vite l'histoire, parce que le même jour, va y avoir un décès. Un décès d'un homme de 55 ans qui s'appelle Félix Mison. Lui, il n'est pas à Pont-Saint-Esprit, il est dans une petite ville qui est juste à côté, un petit village plus exactement, qui s'appelle Carsan. Et lui, il tombe raide-mort. Le 17 août, toujours, un garagiste de la ville de Pont-Saint-Esprit, là, qui s'appelle Sauvet, fait un cauchemar. Mais un truc qui lui paraît absolument terrifiant. Il rêve qu'il remonte à un des grands boulevards de la ville, le boulevard Gambetta, lorsqu'il se trouve confronté à une apparition qui le perturbe complètement. En l'occurrence, il voit venir à sa rencontre une certaine dame Lalande, qui a quand même cassé sa pipe 10 ans auparavant. Et voilà que dans son rêve, qui est on ne peut plus réaliste, au lieu de la saluer, il lui colle une énorme baffe. Ça commence bien. Du coup, elle se jette sur lui, ça finit en empoignade, et en même temps qu'il lui colle des coups terribles, il se sent coupable. Il se dit, mais pourquoi je fais ça à cette dame? Elle m'a rien fait. Je comprends pas du tout. Mais il a comme une force irrésistible qui, dans son cauchemar, lui fait vraiment battre cette femme, on peut dire à mort. Il la secoue, il la frappe tant qu'il le peut. Et au moment où il va la tuer, eh bien, il y a une main invisible qui l'arrête dans son cauchemar et il se réveille. Et il se réveille pour trouver sa femme complètement effarée. Parce qu'elle a suivi en direct, d'une certaine façon, le cauchemar de son mari, qui parlait tout seul, qui poussait des hurlements de rage,
qui cognait tout ce qu'il pouvait, il a déchiré les draps, il a pété le lit, enfin c'est un vrai désastre, la chambre est sans dessus dessous, et c'est comme si ça s'était réellement passé, comme s'il vivait sa réalité au point de bouger dans son sommeil, mais comme un fou quoi. Donc, il ne sera pas le seul à se sauver à se plaindre de cauchemars absolument terrifiants. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ceux qui ont des problèmes la nuit, il y a ceux qui ont des problèmes de jour. Parce que dès le 17 août, vont être rapportés des témoignages divers de personnes qui prétendent, alors qu'elles vaquent à leurs occupations diverses, entendre les voix de défunts. Mais pour certains d'autres, c'est plus agréable puisqu'ils entendent comme des musiques célestes. Et c'est tellement beau qu'ils s'assoient pour écouter. C'est quand même très particulier. En attendant, ça ne s'arrange pas. Le lendemain, 18 août, le cas de certains patients s'est aggravé. Et certains, d'ailleurs, sont atteints de tremblements affreux. Et ils suent comme des bœufs et ça sent très mauvais. Leur sueur sent une odeur absolument épouvantable. Ils vont avoir une rémission, ça va aller mieux pendant 48 heures et ça va reprendre. Ça va reprendre avec une vigueur absolument effrayante que ça va devenir pour certains absolument alarmant. D'autant que les médecins maintenant enregistrent des troubles cardiovasculaires extrêmement sérieux qui vont mener ces patients à l'hôpital. D'autres vont commencer à délirer tout en se plaignant pour certains autres de visions absolument insupportables. Le 20 août, la presse commence à en parler, c'est le Midi Libre qui s'en charge et qui rapporte avec force détail ce qu'on pense être une intoxication alimentaire. Et le Midi Libre fait état quand même de 120 personnes contaminées en 3 jours. 3 jours. Alors, on raconte des choses, notamment ce 20 août, un malade atteint de délire extrême atterré aux urgences psychiatriques de Montpellier. Et c'est un des hôpitaux où va y avoir le plus de patients de Pont-Saint-Esprit qui vont être transférés. Le 21 août, c'est la panique en ville. Les gens commencent à souffrir de convulsions. Ils tombent par terre tellement ils ont des vertiges graves. Certains sont dans un état d'euphorie absolument total pour plonger ensuite dans une forme de dépression, au point pour certains d'avoir des idées suicidaires et de vouloir en finir. Ils ne comprennent plus, ils passent en permanence d'un état d'humeur à l'autre. Et puis, il y a ces hallucinations qui sont de plus en plus fréquentes et terrifiantes. Le 22 août, le Midi Libre informe ses lecteurs que le nombre de personnes atteintes s'est de plus en plus aggravé, que ça s'aggrave d'heure en heure, que 6 sont déjà à l'hôpital et que 3 enfants sont hospitalisés. Le 23 août, il y a un article, toujours de ce même journal, qui décrit l'état des malades, en rajoutant par rapport aux symptômes des crises de nerfs qui les rendent violents. Hein. Et puis on commence à mentionner les décès d'animaux. Eux aussi sont atteints et pris d'étranges symptômes. Dans les heures qui suivront, d'ailleurs, la presse va diffuser d'autres informations sur l'état de ces pauvres bêtes. Et notamment, on racontera le cas d'un chat qui s'est mis à faire des bonds en poussant des hurlements déchirants. Et il sautait tellement haut qu'il a fini par se fracturer le crâne sur le plafond. Il est mort, il est tombé mort. Bon, faut quand même le faire. Il y a d'autres animaux comme des chiens qui vont être pris de soubresauts, de tremblements, ils poussent des hurlements, ils aboient, ils paraissent aveugles et ensuite ils ont des crises de tétanie et paf, ils meurent. Il y a des basses-cours qui vont être atteintes aussi, des canards qui vont tomber comme des mouches si je peux me permettre. Enfin bon bref, ça va pas du tout. Et le 24 août, la situation a empiré. Là c'est grave parce que c'est dans la soirée que tout va dégénérer. Et on ne voit passer en ville que des ambulances, les pompiers, des gens qui arrivent en charrette à cheval, puisqu'à l'époque, on se déplace encore à cheval avec des membres de leur famille qui sont atteints, des gens qui viennent même en brouette, parce qu'ils n'ont rien trouvé d'autre pour transporter le malade. Il n'y a plus d'ambulance, il n'y a plus de pompiers, tout le monde converge vers l'hôpital. Et puis, au milieu de tout ça, on continue à voir des gens débraillés, parfois en tenue de nuit,
en chemise de nuit, en pyjama, qui se balade dans la rue en faisant des grands gestes, en racontant des trucs complètement qui n'ont ni queue ni tête. Hein. Va y avoir également des gens qui vont assister à quelque chose de terrible. Un homme est à son balcon au deuxième étage d'une maison, il se prend pour un avion à réaction, il fait l'andouille sur le balcon, puis d'un seul coup, il saute. Il fait un looping, il se pète les deux jambes. Mais le pire, c'est que blessé comme il est, il va réussir à se relever, à continuer à courir sur 50 mètres jusqu'on arrive à le maîtriser. Il n'a pas l'air d'avoir mal, personne n'y comprend rien. Comment est-ce qu'on peut courir avec les deux jambes cassées et ne pas avoir mal? Enfin bon, on va croiser également, des témoins diront avoir vu un homme qu'ils ont croisé dans la rue. Alors lui, il expliquera après qu'il avait vu sortir d'un bouquet de fleurs qui était posé sur son buffet comme des flammes, qu'il avait trouvé ça très drôle. Il se tordait de rire au point de sortir dans la rue pour raconter son histoire. Puis en sortant, stupeur et tremblement, il croise des gens qui l'écoutent raconter son bazar et il trouve qu'ils ont des gros nez et des grosses oreilles. Alors celui-là, au lieu d'être terrifié, il se marre comme un bossu et on n'arrive pas à l'arrêter tellement rigole. Bon, il y en a d'autres pour ces moins rigolos. Ils bavent, ils hurlent, ils sont terrifiés, ils entendent des voix. Ils sont poursuivis par des défunts, donc ils crient au secours, et puis ils voient des serpents, des flammes, et comme des cascades de métal fondu qui vont leur tomber sur eux pour les brûler, enfin bon, c'est l'enfer, hein. Ils voient ils rapporteront avoir vu les plafonds et les murs de leur maison qui saignaient. D'autres diront avoir été poursuivis par des nuages menaçants qui voulaient les tuer finalement, où il allait sortir des choses bizarres. D'autres voient des flammes partout, comme s'ils étaient en enfer en fait. Hein. Et puis il y aura ces serpents géants qui seront rapportés à plusieurs reprises, deux monstres entourés de flammes. Ça sera le cas d'ailleurs d'un jeune facteur de 27 ans à l'époque qui témoigne, il y a une vidéo sur YouTube, bon, c'est un vieux monsieur quand il raconte son truc. Celui-là s'appelle Léon Armenier. Et lui, il voit des flammes partout qui le terrifient. Il hurle que son corps est en train de rétrécir comme une peau de chagrin. Parce qu'au fur et à mesure, il rétrécissait au lavage. Alors lui aussi, il va avoir droit à un petit coup d'hôpital psychiatrique. On va l'accueillir en état de délire absolu. Il n'a plus conscience de quoi que ce soit. Pire encore, il y a un gamin de 11 ans, il s'appelle Charles Grandjean, celui-là qui va tenter d'étrangler sa mère, qui prend pour un monstre qu'il veut le tuer. Bon, on croisera également dans la rue une jeune fille qui court dans tous les sens. Alors, elle voit des tigres partout, donc elle cavale dans tous les bords en pensant que les tigres vont la bouffer. Vous voyez, bon, c'est pas marrant. Puis alors, il y a un ouvrier aussi, un beau matin, il est avec ses copains, puis paf, il se lève d'un coup en hurlant, « Je suis mort, j'ai la tête en cuivre et j'ai des serpents dans le ventre. » Et tout le monde va le voir courir comme un dératé jusqu'au Rhône et il va sauter dans le fleuve. Bon, une femme de 60 ans déchirera ses draps, puis elle se jettera pour finir dans le mur, elle va se casser trois côtes quand même. Et puis, il va y avoir des rémissions. Le calme revient parfois dans les familles, mais comme tout le monde a été malade et qu'on n'est pas sûr de quoi que ce soit, ben on se regarde en chien de faïence en se demandant lequel va recommencer à délirer. Enfin, c'est pas la joie, quoi. Et puis, ben ça continue comme ça. Et puis, de plus en plus, et toute la nuit, cette fameuse nuit, ben les ambulances sont arrivées à l'hôpital de Saint-Esprit, de Pont-Saint-Esprit. Ça vient plus seulement de la ville, mais des campagnes alentours. Et les médecins et les infirmières qui accueillent tous ces braves gens, ben, ils savent pas ce qu'ils ont. Ils savent pas ce qu'ils ont quand ils entendent, par exemple, un gars qui supplie les médecins, leur disant « Au secours, mon cœur s'échappe. » Il sort par le bout de mon pied. Ils comprennent pas. Et puis, entre quelques crises, les malheureux ont des moments de lucidité et ils sont persuadés que ça va recommencer, ce qui en général est le cas. Et ils sont complètement affolés, terrorisés. Et ceux-là vivent tout, hein, les visions de cauchemar. Et on sait vraiment pas quoi faire du tout pour les soulager. Il y en a qui ont des délires violents. Ils sont si agités qu'il faut les attacher, ceux-là. Donc, on les attache avec des grosses cordes à nœuds sur leur lit. Et ils vont tellement bouger que ils vont réussir à desserrer les nœuds. Et il y en a un qui était quand même tellement délirant et en pleine crise insurmontable et en même temps tel que 14 personnes vont se jeter sur lui pour essayer de le maîtriser. Et ils vont avoir toutes les peines du monde à le faire puisque ce pauvre homme a une force absolument surhumaine.
Et les ambulances affluent de partout et on n'en a plus de place très vite. On ne sait plus quoi en faire. Donc, on les met dans une grande salle. Tout le monde est débordé, les gendarmes, les pompiers, les médecins. On ne sait plus quoi faire. Et il y en a qui réussissent à sortir de l'hôpital, des fous, délirants, et ils se retrouvent tous dans le jardin. Le jardin de l'hôpital, qui est assez vaste à l'époque, qui est plutôt tranquille habituellement. Et là, les immeubles voisins, les voisins des immeubles qui jouxtent l'hôpital, voient le bal des dingues, quoi. Ils sont tous en train de hurler, à moitié à poil pour certains. Ils font des trucs pas possibles, ils grimpent aux arbres, ils rampent par terre. Enfin, c'est la nef des fous, quoi. Ça, pas du tout. À 2h du matin, ils sont à peu près une quarantaine dans le jardin de l'hôpital, à faire un vacarme pas possible. Il y en a qui vont réussir quand même à escalader les grilles et qui vont partir en ville, continuer leur fiesta. Enfin, c'est n'importe quoi. Et puis, y a tout. Il y a les hilars qui rigolent comme des fous, puis il y a les autres qui poussent des cris de terreur. Enfin, c'est complètement fou. Donc, il y en a pas mal qui vont être transportés dans des hôpitaux. J'avais parlé de Montpellier tout à l'heure, mais il n'y aura pas que ces hôpitaux-là qui vont recevoir les patients de Pont-Saint-Esprit. Il y aura également Lyon, Montpellier. Dans Montpellier, j'en ai parlé, Avignon, Nîmes et Orange. Parce qu'on ne sait plus quoi en faire et il faut faire quelque chose, qui sont vraiment atteints. Le 26 août, il va y avoir encore un couple qui va décéder. Ceux-là ont été transférés à l'unité psychiatrique de Montpellier, ils vont mourir. Et le docteur Gaba, qui est un des deux médecins qui avait commencé à repérer les patients, va dire aux journalistes qui viendront l'interroger qu'il n'avait jamais vu ça de sa vie. C'était vraiment une nuit d'apocalypse. C'est incompréhensible. Alors, qu'est-ce qui a bien pu provoquer une chose pareille ? Le 24 août, les deux médecins, dont Gaba et dont je viens de parler, avaient commencé à faire le rapprochement entre les symptômes et le pain que ces gens auraient consommé. Il avait interrogé ses patients et l'entourage et on lui avait confirmé assez rapidement que tous les patients ont confirmé assez rapidement qu'ils ont acheté leur pain chez un très bon boulanger de la ville qui s'appelle Gabriel Briand et qui fait un pain absolument exquis. Donc la nouvelle du pain qui rend fou c'est bruit. Tout le monde le sait maintenant, donc personne ne veut plus manger de pain, évidemment. Cata pour les boulangers. Et tout le monde se jure sur les biscottes. Donc, il y aura pénurie de biscottes en 48 heures. Mais enfin, bon, ça, c'est l'anecdote. En attendant, cette histoire de pain, ça rappelle des maux très anciens qui ont fait qui ont causé des catastrophes dans des siècles précédents. Et ces maux très anciens, on les avait baptisés à l'époque le mal des ardents, le feu de Saint-Antoine ou la peste du feu. Et c'était des épidémies, on considérait ça comme des épidémies à l'époque, et on pensait que ceux qui en étaient atteints étaient possédés du démon. Vous avez peut-être entendu parler de ce qui s'était passé à Strasbourg en 1518, au XVIe siècle, où des gens se sont mis à danser comme des dingues, on n'a jamais réussi à les arrêter, et la plupart sont morts, d'épuisement. Ils ont dansé jour et nuit pendant des jours, et sans qu'on puisse les arrêter, à tel point que les autorités de la ville, puisqu'ils avaient l'air joyeux au départ, leur ont collé, en pensant qu'ils s'arrêteraient d'épuisement au bout d'un moment, on leur avait collé des musiciens. Sauf que s'ils s'arrêtaient, jamais. Quand ils s'arrêtaient, c'est qu'ils étaient morts. C'est un truc de fou, cette histoire. Et on a tout supposé. On a tout supposé concernant ça, une intoxication alimentaire. On avait pensé au pain à l'époque. Une crise d'hystérie collective et surtout, parce que c'était encore à la mode à ce moment-là, une possession collective par le démon. Donc, ça avait marqué les esprits. Et vous voyez une gravure là de ce truc-là. Il y a eu plusieurs représentations qui ont été faites de ce bal des fous à Strasbourg. C'est quand même très impressionnant. En fait, c'est au XVIIIe siècle que l'on va comprendre que ces épidémies destructrices n'en sont pas réellement. Et que ça pourrait bien avoir un rapport avec le pain, et notamment avec la farine qui sert à le fabriquer. Et ça viendra des études faites par un médecin allemand qui s'appelle Johann Daniel Taub. Et cet homme-là a vraiment étudié la chose et il a publié un essai en 1782 qui va permettre d'expliquer ce qui pourrait bien se passer. En fait, ce savant a découvert ce qu'on appelle l'ergotisme, qui serait le résultat d'un empoisonnement à long terme dû à l'ingestion d'un champignon qui affecte le seigle.
Et ce champignon, on va le baptiser argot de seigle. Mais c'est vraiment seulement au XXe siècle qu'on va y voir un petit peu plus clair. En 1918, vous avez un chercheur qui travaille dans les laboratoires Sandoz, ces grands laboratoires suisses qui existent encore, et ce chercheur s'appelle Arthur Stoll. Il a identifié le premier 12 alcaloïdes toxiques qui sont contenus dans ce fichu champignon, et en l'occurrence l'ergotamine. Et ce laboratoire suisse va poursuivre activement ses recherches sur le sujet pendant des années. Et en 1938, l'un de ses chercheurs qui travaille là-dessus, qui s'appelle Albert Hoffmann, et celui-là, on en reparlera à plusieurs reprises aujourd'hui, va parvenir à synthétiser l'acide lysergique qui est tiré de l'argot de seigle, dont les dérivés vont servir à un médicament. En l'occurrence, un médicament pour lutter contre la tension artérielle. Tiens, c'est marrant, parce que vous avez entendu tout à l'heure que les patients avaient des très très basses tensions. Vous voyez ? Donc, ça correspond à la limite. Et ces recherches ne vont pas s'arrêter là, parce que c'est avec le professeur Rodkin Kaufmann va découvrir en 1943, et de façon tout à fait accidentelle, les propriétés hallucinogènes de la chose. Et l'une des molécules de ce fichu champignon, bah, c'est le LSD. Le truc qui a fait fureur dans les années 60 et 70, qui a donné, c'est pour ça que je suis habillée en psychédélique aujourd'hui, vous voyez, ça va avec, et bien qui a donné ces décors psychédéliques qu'on voyait sur les pochettes de disques, sur les murs, un peu partout, sur les vêtements, et qui ont fait chanter aux Beatles « Lucy in the Sky with Diamonds ». Ça parlait de ça, hein, faut quand même le dire. Et donc... les recherches démontrent qu'il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Et de cet Albert Hoffmann, je vous l'ai dit, on en parlera un peu plus tard, puisque ça permettra d'évoquer sous un autre jour cette fameuse histoire de Pont-Saint-Esprit. Vous allez voir. En tout cas, l'enquête commence. Parce qu'à la suite de cette longue nuit tragique du 24 au 25 août, où tout le monde est piqué dans la ville, enfin une bonne partie, et il y a des délirants dans l'hôpital qui s'enfuient dans la rue et dans les jardins, eh bien, il va y avoir une bordée de policiers qui vont partir enquêter dans la ville. Ils vont sillonner la ville, mais également les campagnes, et leurs investigations vont très vite mener sur la piste du fameux boulanger qui faisait du si bon pain, en l'occurrence Gabriel Briand. Sur ce, on n'attend pas, on ferme sa boutique et on l'arrête dans la foulée et le voilà en prison, le pauvre garçon. On va apprendre rapidement au fil de l'enquête que dès le 12 août, un boulanger de Saint-Geniès de Comolas, qui est un petit village qui n'est pas très loin, c'est un gros bourg très exactement, c'est à peu près à 30 km de Pont-Saint-Esprit, et bien celui-là avait trouvé bizarre la farine qui lui avait été livrée. Elle lui paraissait pas bonne et marchande, comme il avait déclaré. Et les limiers, suite à cette déclaration, vont progresser et vont apprendre que il a prévenu le maire de cette histoire-là. Et en progressant encore, on va s'apercevoir, et ça le 28 août, ça va vite, là ils sont vraiment sur les dents, ces braves gens, que la minoterie qui a produit la farine a été identifiée. La minoterie, c'est-à-dire le meunier. Hein. Et il y a deux minoteries qui sont susceptibles d'avoir livré le répartiteur, parce qu'on parlera d'un répartiteur après, le répartiteur qui a vendu la farine au boulanger ensuite, eh bien, c'est la minoterie de Saint-Martin, la Rivière, qui se trouve dans la Vienne, et la minoterie du château à Châtillon-sur-Indre. Alors, une analyse toxicologique va être immédiatement pratiquée sur la farine et sur des échantillons de pain également qui proviennent de la boulangerie Briand. Et ce sera le laboratoire de la police de Marseille qui va en être chargé. Le 29 août, ça va très vite là aussi, les conclusions tombent. La farine contient bien l'ergotamine, le fameux dangereux ergot de seigle. Entre-temps, il y aura eu quand même une nouvelle victime, en l'occurrence un jeune homme de 25 ans qui est décédé à l'unité psychiatrique de Nîmes. Donc, l'enquête de police avance à grands pas et l'étau se resserre autour du minotier de la Vienne, Maurice Maillet, qui est soupçonné d'avoir vendu cette fichue farine contaminée. Celui-là, après Briand,
va être arrêté le 31 août, immédiatement inculpé par le juge d'instruction du tribunal de première instance de Nîmes pour homicide par imprudence. On ne rigole pas à l'époque, il n'y a pas de liberté, on le fout direct en détention, il est en prison. On le soupçonne fortement d'avoir incorporé, alors lui on l'accuse carrément d'avoir bidouillé le truc, et d'avoir incorporé de la farine de seigle avariée qui lui aurait été fournie par les boulangers de son village. Bizarre. En tout cas, la presse locale se déchaîne contre ce pauvre Maillet et affirme haut et fort qu'il a expédié également sa farine contaminée à Bagnols-sur-Cèze, mais qu'il n'a pas osé vraiment la livrer au boulanger de sa propre commune. En tout cas, le scandale est immense. Et la situation va encore se compliquer, puisque le laboratoire des substances militaires de Marseille, qui a été chargé d'analyser des échantillons de pain pour analyse, conclut pour sa part qu'il n'y a pas d'ergot de seigle qui peut être mis en cause dans cette histoire-là. Donc ça commence à partir en contradiction. Alors évidemment, il y en a un qui est indigné. C'est le professeur Olivier qui a réalisé la première analyse sur les farines et qui, alors lui, il ne décolère pas. Il dit que les Marseillais sont des incapables, que ce sont des qui se trompent. Il est certain de ses conclusions. Finalement, ce seront les conclusions du professeur Olivier qui seront retenues parce qu'on se rendra compte que le laboratoire de Marseille n'a reçu en réalité qu'un seul échantillon de pain, alors qu'Olivier en a analysé plusieurs. En même temps, on se rendra compte au fil de l'enquête qu'il semblerait qu'une seule balle de farine, un seul sac de farine ait été contaminé. En tout cas, du coup, et dès le 3 septembre, le journal Le Matin qui tient les gens au courant dans cette région-là s'interroge comment 13 quintaux de seigle ergoté mélangés à 13 quintaux de froment ont-ils pu, après mouture, réunir tous les éléments nocifs dans un seul sac de farine, un seul sac de farine livré dans le département du Gard. Il est vrai que c'est très étrange. En tout cas, l'Union Meunière de la Vienne soutient avec détermination le minotier, le meunier Maillet. Son président, M. Pichot, va déclarer à la presse le 6 septembre qu'il est matériellement impossible que l'argot de seigle soit sorti à dose mortelle du moulin de ce meunier, hein, et qu'il faut donc chercher ailleurs. Il est très soutenu, Maillet, par sa profession, parce qu'il y aura également l'association de la meunerie française, qui est très active, elle aussi, et qui clame quelques jours plus tard par voie de presse que seul un acte criminel peut expliquer le drame de Pont-Saint-Esprit. Et elle expliquera, l'association de la meunerie française, qu'il est techniquement impossible qu'une proportion d'ergot toxique aux conséquences mortelles ait pu se retrouver dans une seule balle de farine. Effectivement, c'est assez curieux. Et en attendant, il y a une nouvelle victime qui va encore décéder, un certain Joseph Portal, qui a 79 ans et qui fera partie des victimes de Pont-Saint-Esprit. En tout cas, tout le monde est réveillé. Des spécialistes de tout poil vont se pencher sur la question. Et ils vont faire des déclarations à différents médias, aussi bien locaux que nationaux, qu'un pain ergoté au point d'être mortellement toxique aurait dû normalement être repérable. Il aurait dû avoir en ce cas-là un aspect sombre et dégager une odeur très nauséabonde. Or, on sait par l'enquête, les déclarations de tous les témoins et tous ceux qui en ont consommé, que le pain vendu par le boulanger Briand, sans exception, a toujours été identique. Il n'y avait pas de changement. Il était beau. Il avait une belle texture, il avait un goût et une odeur agréable, et voilà, il n'était pas nauséabond, il n'était pas d'aspect différent. Donc cette histoire de pain ergoté chez le boulanger Briand paraît difficilement crédible. Ça va un peu calmer le jeu vis-à-vis de Briand pendant un moment. Hein, on ne va plus s'acharner sur lui, ni à détruire de la même manière la réputation du minotier Maillet. Mais si au niveau local ça se calme au niveau média, et bien c'est pas du tout au niveau national la même chose. La preuve en est, c'est que le vénérable Figaro, qui va diffuser, si je puis dire, ce qui deviendrait une sorte de feuilleton
à l'échelle nationale se montre formel, lui dit de façon, comment dirais-je, tranchée, que ce sont bien des parasites de l'argot de seigle qui sont les seuls responsables de l'empoisonnement de pensée d'esprit, et tout le monde va lui emboîter le pas. Et ça va prendre en quelques semaines une ampleur telle que le ministre de l'Intérieur va s'en mêler et ordonner à des lignées de partir à la rescousse. Donc on va envoyer à Pont-Saint-Esprit des policiers, mais surtout un adjudant-chef qui sera chargé de l'enquête, ainsi qu'un éminent commissaire de police qui vient de Paris. On met la grosse artillerie en place. Il n'empêche que la piste de l'argot de seigle a pris du plomb dans l'aile. Et on commence à poser, à dire, bon, c'est peut-être pas ça, alors qu'est-ce que ça pourrait bien être? Et vient sur le tapis quelque chose qui s'appelle le panogène. Alors, le panogène, c'est quoi? C'est un produit fongicide à base d'un truc qui, d'un nom, d'un mazar, une substance impossible à dire, à savoir le dicyandiamide de méthylmercure. Bon, alors, cette cochonnerie est utilisée pour conserver le grain, éviter les moisissures, et mal dosée, ça peut très mal tourner. C'est très toxique. Et donc, on va commencer à accuser à nouveau le pauvre boulanger Gabriel Briand d'avoir collé dans son pain de la gêne. Et ceci pour le blanchir, car certains boulangers peu scrupuleux ajoutaient parfois cette horrible substance dans leur pain, pour que la mie soit plus blanche et que leur pain soit plus agréable. Parce que dans les années 50, on a toujours, bon, avant c'était le pain des campagnes qui était un peu gris, vous voyez, et à partir de là, on se modernise et on n'aime que le pain blanc, et bien blanc, et plus il est blanc, meilleur il est, soi-disant. Donc, comme le pain de Briand est bien blanc et comme il faut, eh ben, on se dit, ça y est, il a blanchi son pain, ce cochon de Briand. Et tout le monde, c'est reparti pour un tour, lui retombe dessus. Pourtant, la thèse n'était étayée par aucune preuve. Ça va faire long feu. Enfin, pendant un moment, il va être ennuyé. Mais après, vous allez voir qu'il y a un événement qui est intéressant, qui dira que c'est pas possible. En tout cas, la gêne ressurgira plus tard, à plusieurs reprises, et Briand serait bien embêté avec ça, au point de devenir un sujet de détestation. Parce que là, il n'y a plus de doute, c'est plus le minotier qu'on vise, c'est vraiment Briand. Et la vindicte populaire va l'accuser tant et plus. Et les imaginations, de tous bords, partent dans tous les sens. Alors tout le monde se met sur le truc, on fait des déclarations à la presse, même ceux qui n'ont pas vu le pain ni rien du tout, mais qui exercent certaines professions et qui donnent leur avis. Ça sera le cas d'un ingénieur hydrologue du nom de Louis-Claude Vincent, qui va se répandre dans les médias pour déclarer haut et fort qu'en fait, ça serait pas étonnant que soit l'eau de la ville et l'eau qu'a utilisé Briand pour faire son pain. Parce que l'eau est toxique dans les villes, dira-t-il, ça contient des produits ammoniacaux, des phénols, des substances toxiques, il faisait déjà bien polluer à l'époque. Bon, enfin bref, voilà. Donc il part là-dessus, le gars, alors ça va faire quelques jours la une des journaux, puis après ça va faire plouf parce que c'est n'importe quoi. Et les pistes et les théories, de plus en plus farfelues, s'accumulent, organisées par la presse, qui multiplient les scoops, on en est au feuilleton. On est dans un feuilleton à Pont-Saint-Esprit. Et tout l'Hexagone est au courant, on ne parle plus que ça. Et les jours passent et la France s'interroge. Qui sont vraiment les coupables? Ce qui est certain, c'est que ça a commencé au mois d'août, mais que les troubles des victimes vont perdurer quand même jusqu'au mois d'octobre 1951, ce qui est quand même étrange. C'est bizarre. En tout cas, ça fera des drames, parce qu'il y en a quand même qui sont devenus à moitié dingos, et il y en a certains qui ne s'en remettront jamais. Ils sont restés bloqués au compteur, et cela, c'est fini pour eux. Il y a les décès, j'en ai parlé, mais il y en a qui vont vraiment finir déconnectés. Hein. En tout cas, ça sera à peu près 300 personnes, c'est pas rien, qui vont être affectées par ces terribles maux. La majorité viennent de Pont-Saint-Esprit, mais il y en a qui viennent des campagnes alentours. Et comme je l'ai dit, y a eu des décès, il y aura eu 7 personnes en tout qui vont partir. Alors, il va y avoir un volet judiciaire dans cette affaire, puisque les choses ne restent pas là, la justice suit son cours. Il faut un coupable, parce qu'à l'époque, on ne rigole pas, hein, à mort.
Bon, en tout cas, tout le monde lui souhaite la mort, carrément, d'ailleurs pour certains. Hein, la peine de mort existe à l'époque, donc on n'y va pas par 36 chemins. Et l'implacable machine judiciaire s'est mise en marche, puisque dès le lendemain de la nuit de cauchemar, c'est-à-dire celle du 24 au 25 août, eh bien, c'est parti, mon kiki. Au fil de l'évolution des procédures, on va découvrir quand même des éléments troublants. D'abord, l'Académie nationale de médecine va se saisir spontanément de l'affaire, hors juge. Et lors des séances qu'elle va tenir les 8 et 22 juillet 1952, deux de ses membres, en l'occurrence les docteurs Giraud et Latour, qui ont recueilli divers témoignages de la part de médecins traitants, médecins hospitaliers et tout ça, vont communiquer leurs conclusions. Leurs conclusions vont mettre en exergue deux points. Les symptômes sont apparus majoritairement 48 heures après l'absorption du pain. Et il n'a pas fallu plus de 500 grammes de pain par personne pour que les symptômes apparaissent. Ça, ce sont deux points qui sont ressortis de partout. Et puis, il va y avoir des différentes expertises. Il y a un asile toxicologique qui sont ordonnées par les juges d'instruction et des juges civils. Mais c'est surtout celle du juge d'instruction dans un premier temps, qui vont être confiées à divers laboratoires régionaux. Et comme déjà dit, le 30 août 51, le professeur Olivier, qui dirigeait le laboratoire interrégional de la police de Marseille, avait adressé par télégramme ses conclusions au juge. Et il en ressortait que dans deux échantillons de pain, comme dans les viscères d'une victime, qu'il a eu analysé, eh bien, il y avait cette fichue substance, en l'occurrence l'ergot de cèpe, qu'on appelle également claviceps purpurea, enfin une saleté. Donc voilà. Par contre, il dira, ce professeur Olivier, ne pas avoir trouvé trace de mercure, de nitrite ou d'autres poisons potentiels, ni dans les viscères, ni dans le pain. Lyon, le laboratoire régional de Lyon aboutira exactement au même résultat. Le 15 octobre 51, le professeur Olivier va analyser à nouveau 22 échantillons de pain et de nouveaux viscères. Une centaine de tests vont être pratiqués. C'est vraiment une expertise toxicologique approfondie. Nouveau rapport. À nouveau, ergot de sel en cause. Sur 4 tests, sur 100 tests, 4 seulement sur 100 se sont révélés négatifs. On est en plein dans l'ergot de sel. De son côté, l'ONIC, qui est l'Office national interprofessionnel des céréales qui soutient le minotier Maillet, rend ses conclusions. Pas de traces d'ergot de sec dans l'unique échantillon qu'elle a eu analysé. Et oui, unique échantillon. Et au cours de l'enquête ordonnée par le juge d'instruction, on apprendra que le boulanger Brillant a été approvisionné en farine par un intermédiaire, donc qu'on appelle le répartiteur. Et ce répartiteur qui fait le lien entre le minotier et le boulanger, c'est l'Union Meunière du Gard, qui a livré divers boulangers de la région également. Sauf que, il n'y a que Brillant qui a été ennuyé. Hein. Donc, le répartiteur, lui, va affirmer que la farine qu'il a livrée à Brillant provient bien de chez le minotier Maillet, donc à Saint-Martin-de-la-Rivière, dans la Vienne, et qui, comme on le sait, est sous les verrous. Hein. Et en mars 52, 103 échantillons vont être prélevés chez le meunier Maillet. Nouvelle expertise, laboratoire de Nîmes. 99 de ces échantillons sur les 103 sont analysés et sont impropres à la consommation. Alors, les avocats du meunier contestent la nouvelle expertise. Deux contre-expertises vont être pratiquées, notamment par un laboratoire de Nîmes et puis par un laboratoire de l'École française de la meunerie. Ah oui, il y a celui de la répression des fraudes également. Coup de théâtre. Le premier laboratoire, celui de l'École française de la meunerie, conclut à ce que les échantillons de farine incriminés sont conformes aux normes établies, qui n'y a rien de particulier, normes établies par la profession, que donc rien ne permet de conclure que les farines fournies étaient impropres à la consommation. Mais l'autre dit pas la même chose. L'autre dit pas la même chose et elle dit que c'était pas mangeable, quoi. Donc, nouvelle expertise. Alors, cette fois-ci, on repart avec un grand, grand toxicologue, le plus grand en France à l'époque, qui s'appelle le professeur Cohn à Brest. Celui-là sera assisté du professeur Olivier, qui a déjà fait deux expertises, et d'un botaniste également, qui s'appelle Pélissier, ainsi que d'un chimiste qui s'appelle Monsieur Dumazet. Donc là, on a mis le paquet. Ça va porter sur de la farine, l'expertise, sur des échantillons,
et sur les sacs également, mais également sur les viscères de victimes. Et ce qu'on le voit découvrir dans les viscères de la première victime va faire dévier la piste de l'argot de sel. On repart encore dans l'autre sens. Parce que qu'est-ce qu'on se découvre ? Un composé complexe de type alchimercure. Pour être précis, 0,5 mg de mercure présente pour un kilo de viscères. Bon, les quatre experts transmettent leurs conclusions au juge de Nîmes le 10 juillet 52, et on dira cette fois que ce sont les fongicides à base de mercure employés par les agriculteurs pour empêcher les maladies des végétaux qui seraient désormais la cause du drame. Et des doses notables ont été retrouvées également dans le pain. Bon. Les limiers de la police qui ont eu connaissance du rapport des quatre experts supposent désormais que les farines auraient pu être accidentellement contaminées au cours de stockage ou de transport, et que par une préparation à base de mercure et qui servirait à la désinfection des céréales. Or, la seule société qui fabrique ce fongicide en question, c'est Pechiney Progic, qui a expérimenté en France dès 1947 le produit et qui l'a commercialisé 2 ans plus tard. Et c'est commercialisé sous un nom bien précis, je vous laisse deviner, le panogène. Et c'est ce fameux panogène qui avait été évoqué à un moment, qui va revenir sur le devant de la scène. Le hic, c'est que seuls quelques centaines de clients ont acheté le fameux panogène. Quelques agriculteurs seulement, hein. Et il se trouve que ceux-là ne sont pas du tout dans la région. Donc que la farine qui a été livrée aussi bien chez les deux minotiers qu'ont livré pour un qui a livré Gabriel Briand, non, il ne peut pas y avoir de panogène accidentellement contaminant de la farine. Donc on ne sait plus trop quoi faire. Les policiers retournent perquisitionner à la boulangerie Briand, qui est fermée, comme je vous le rappelle, depuis le mois d'août 1951. On est en 1952, là. Donc, ils retrouvent certains sacs, mais très peu, puisque ça sera pas des sacs à farine qu'ils vont retrouver, hein. Ils vont pas retrouver les sacs à farine de la livraison du minotier Briand, parce que ceux-là ont été ramassés dès le 16 août, donc le lendemain de la livraison. Donc ils sont retournés chez le répartiteur qui a livré la farine, donc chez le minotier, chez le répartiteur qui est l'Union du Gard, pardon, et c'est ça qui ont été réutilisés depuis. Bon, en tout cas, ces grands sacs, on va en retrouver quand même quelques-uns. On va en retrouver 300. Les flics vont aller partout pour récupérer les sacs du répartiteur. Et ceux-là vont être examinés, mais alors vraiment à la grande loupe. Et on va découvrir sur deux d'entre eux, donc sur deux, sur 300, deux qui portent des taches suspectes. Ces taches sont de couleur rose, rose-orangé et jaune. On analyse ces taches, pas de traces de mercure. En revanche, la farine collée sur le tissu au dos des taches, à l'intérieur du sac, révèle bien la présence de traces du fameux fongicide, donc ce panogène. Mais la farine qui va être prélevée dans ces mêmes sacs, dans d'autres parties de ces mêmes sacs, pas de traces de panogène. C'est quand même très bizarre. Bon, alors on ne sait plus trop quoi faire, hein. Des années plus tard, en 65, des procédures sont toujours en cours, parce que ça va durer 20 ans les procès. Finir en 73 avec tout ça. Il y a un certain Joseph Cadieux qui est pas bête. Alors celui-là, il fait pas partie des experts. Il est rattaché à la faculté de médecine et de pharmacie de Bordeaux, mais il va reprendre tous les rapports d'experts de ses confrères qu'il a réussi à se faire communiquer. Puis il va faire une synthèse. Il va examiner tout ça. Et voilà ce qu'il dit. Il dit que la souillure extérieure du sac par du panogène ne peut certainement pas être la cause du drame. Pour lui, il y a des doses de mercure extrêmement faibles qui ont été retrouvées dans les viscères, mais ça devait pour lui provenir d'un dérivé très volatile et pas du tout de nature à empoisonner le bonhomme, pas d'intoxication possible. Mais surtout, il va avoir quelque chose de très astucieux comme réflexion, et plein de bon sens d'ailleurs. Il va dire que le panogène a pour objectif de détruire les champignons, c'est un fongicide. Ça détruit les champignons et les moisissures qui se trouvent sur les céréales. Donc, c'est un puissant antilevure. Donc,
La levure qui est utilisée par les boulangers, c'est un champignon, c'est une moisissure, très exactement. Ce qui signifie que si Briand avait foutu du pallogène dans son bazar, là, dans sa mixture, bah son pain, il n'aurait jamais levé. Or, le pain de Gabriel Briand était magnifique. Alors, c'est pas le pallogène. Mais ce que dira Cadieu, on oublie. On a toujours besoin d'un coupable, donc... Puis il n'a pas été un expert désigné. Allez hop, circulez, il n'y a plus rien à voir. En 52, alors qu'on était toujours sur la piste du pathogène, le juge va aller jusqu'à faire appel à des spécialistes de la toxicité au mercure qui sont suédois. Il s'agit des docteurs Swanson et Lindgren. Et ceux-là vont rendre un procès-verbal daté du 19 mars 53 qui récapitule leurs conclusions. Elles sont sans appel, ces conclusions. L'aspect des intoxications de Pont-Saint-Esprit ne correspond en aucun cas à celles provoquées par des composés d'alkylène mercure, en d'autres termes, de pathogène. Bon. Et puis en plus, ils raconteront que une intoxication pathogène, ça ne se fait pas en une seule prise. C'est une intoxication chronique. C'est-à-dire quelqu'un qui foutrait du pathogène, qui prendrait du pathogène tous les jours à travers du pain ou autre chose, eh bien, c'est pas en une fois qu'il sera intoxiqué, c'est à la longue. Hein. Donc, là aussi, ça ne fonctionne pas. Alors, il y a les procès. Premier procès, procédure pénale. On dépose plainte contre Maillet et Briand, et ils vont être jugés, ces gens-là, 3 ans après les faits, c'est-à-dire durant l'été 1954. Le jugement qui sera rendu le 10 août 1954 prononcera un non-lieu. On n'a pas trouvé de preuve formelle de leur culpabilité. Non-lieu. Les victimes, évidemment, sont révoltées par le résultat, elles font appel et elles vont engager. Alors, l'appel ne servira à rien, d'ailleurs, puisque le jugement sera confirmé, mais il va y avoir les procédures civiles. Et qui en est chargé? Le tribunal d'Uzès, qui va condamner direct le boulanger Briand sur le fondement de vices cachés. Et qui va obliger le répartiteur, qui est l'Union Meunière du Gard, à le garantir du montant des condamnations. Ça veut dire que c'est le boulanger qui est condamné, mais que c'est l'Union Meunière du Gard qui devra payer en sa qualité de fournisseur de la farine. Jugement frappé d'appel. La cour d'appel va être un petit peu différente. Elle fonctionne pas sur la même méthodologie juridique. Peut-être qu'il y a eu des moyens juridiques qui ont été soulevés par les parties, à moins que la cour se soit chargée normalement c'est les conclusions des parties qui donnent le fondement. Enfin bon, bref. Donc elle va surtout s'attacher, la cour d'appel, à avoir une vision contractuelle, des responsabilités contractuelles qui sont encourues. Donc elle va aller plus loin sur la cause de l'intoxication et elle va rendre un arrêt avant dire droit que je trouve absolument scandaleux en qualité de juriste. Je vais vous expliquer pourquoi. Elle souligne que le pathogène pourrait bien en être responsable, mais elle est pas. Alors un jugement avant dire droit, c'est quoi? C'est un jugement qui va ordonner des mesures provisoires qui peuvent être une expertise, le paiement d'une caution ou d'un machin, ça dépend dans quel contexte on se situe, avant que tout ce qui est examiné au fond et que l'arrêt définitif soit rendu. Et en l'espèce, cet arrêt avant dire droit qui sera rendu par la Cour, qui souligne que le pathogène pourrait bien être responsable, nomme aussi, de façon très surprenante, un collège d'experts pour repartir sur toutes les expertises, revoir tout le dossier et donner ses conclusions. Mais ce qui est encore plus scandaleux, c'est que le pauvre boulanger Briand va être condamné d'ores et déjà, et avant dire droit, à dédommager la veuve de la première victime et à prendre en charge tous les frais d'expertise. Ça coûte une fortune. Moyennant quoi, le pauvre boulanger Briand qui est au trou, non seulement... il est en cabane, mais... Non, il est sorti de cabane à ce moment-là, je crois. Non, c'est puisqu'il a eu son non-lieu. Mais en attendant, il est ruiné. Il a plus de boulangerie, il a plus un sou, et il est la bête noire de la France. C'est absolument affreux. Donc ça, franchement... Alors, je vous l'ai dit, il va y avoir des procédures multiples, qui vont se dérouler jusqu'en 1973, que ça ira jusque devant la Cour de cassation. Et la Cour de cassation laissera tomber l'affaire, si je puis dire. Ça se terminera par rien du tout.
Une seule victime aurait été dédommagée, donc suite au jugement à l'arrêt avant dire droit rendu par la cour d'appel. Voyez. Et le boulanger, voilà, les autres victimes, comme toutes les actions n'auront mené à rien. Le pauvre boulanger, il aura payé une seule victime, puisque les autres ont été déboutés, pour rien. Il se retrouvera une main devant, une main derrière, et jusqu'à la fin de ses jours, on le pointera du doigt comme étant un assassin. En tout cas, la populace et la presse réclamaient un coupable, et elle l'a eu. Et la cour, à mon avis, a joué sur cette carte-là. Tout le monde voulait un coupable, la cour d'appel a joué le rôle, en rendant ce qu'on appelle un arrêt, un jugement de Salomon, qui donne tort et raison à tout le monde. D'un côté, je te donne, et de l'autre côté, je te donne. Et puis voilà, et inversement, je te donne pas. Résultat, on ne saura exactement jamais, suite à tout cela, malgré 20 ans de procédure et d'expertise en tout genre, ce qui a bien pu empoisonner les gens de la bonne ville de Bon Saint-Esprit. Ce n'est que quelques décennies plus tard, avec la parution d'un livre par un journaliste américain en 2009, que la machine va être relancée. Parce qu'il y a un élément nouveau auquel on ne s'attendait pas, qui va ressurgir et qui va nous amener sur la piste de la CIA et de ses fameux programmes secrets et monstrueux, les projets MK Ultra. Voilà. Donc c'est ça que je vais vous parler maintenant. Alors, je vais parler assez largement de tout cela. Je vais partir là-dessus pour que vous sachiez, parce que c'est l'occasion qui fait le larron, ce que c'est exactement que ces vacheries de programmes MK Ultra, qui sont absolument monstrueux, pourquoi ils ont été, de quoi ils sont nés, pourquoi et dans quel but ils ont été poursuivis, et ce qui s'est passé de monstrueux, qui pourrait, vous le verrez, avoir un rapport avec l'histoire du pain de Pont-Saint-Esprit. Vous allez voir, c'est quand même pas banal et c'est quand même très troublant. Donc, cette affaire de Pont-Saint-Esprit, de pain soi-disant empoisonné, va nous mener vers quelque chose de très différent, qui sont donc les programmes secrets de la CIA, que nombre d'entre vous connaissent certainement parce qu'on les appelle les programmes MKUltra. Alors, j'ai jugé opportun de faire une très large parenthèse, on peut dire, puisque c'est pas tout à fait la moitié de mon sujet, mais au moins un tiers, parce qu'il faut que vous sachiez exactement ce que c'est. Alors, beaucoup de choses ont été dites là-dessus, hein. Tout le monde y a été de ses fantaisies. Alors, ça a été classifié dans l'esprit de ceux qui n'y connaissent rien comme des théories du complot. Je dirais que c'est pas du tout du complot, vous allez voir, c'est du lourd et du tangible, mais que effectivement à la source complotiste, on a quand même déformé pas mal de choses. Donc mon travail a été de chercher la vérité, comme toujours, en travaillant, hein, évidemment, en recoupant mes sources, en cherchant pour arriver au plus juste. Bon, il y a peut-être des trucs qui m'ont échappé, mais en tout cas. Je crois que j'ai fait mon travail là-dessus. Et vous allez voir que ces programmes ultra secrets et parfaitement monstrueux ont mené à des exactions sur les humains qui sont absolument inimaginables. Il faut savoir également d'où ça vient et c'est de quoi je vais vous parler maintenant, après avoir refermé ma fenêtre, parce que j'ai oublié de la refermer et on ne va plus s'entendre. Donc, les joies de la campagne, comme vous l'avez compris, c'est terminé. On n'entend plus les petits oiseaux et les hiboux sur les camions. Je vis en ville. Donc, on reprend, on en revient à nos moutons après l'épisode de la fenêtre. Et oui, la campagne, c'est vraiment fini. Et on va partir sur ce qui a généré ces programmes absolument monstrueux. Tout ça, ça part de la Seconde Guerre mondiale. Ça part de la Seconde Guerre mondiale et vous allez voir comment. Vous savez que les Alliés, donc les Américains, sont venus libérer les camps de concentration. Que les Russes ont fait exactement la même chose. Hein ? Bon, les deux.
Et que tout cela ont retrouvé des choses qu'ils ne s'attendaient pas à retrouver, aussi bien dans les camps de concentration que dans d'autres institutions nazies. Et surtout, quand les victimes ont été écoutées en vue de ce fichu procès de Nuremberg. Avant qu'il procède, il y a eu beaucoup de gens, de rescapés, qui ont été entendus. Et c'est là que les libérateurs américains vont découvrir l'enfer des camps, en découvrant l'état des gens, les charniers, mais des archives. Des archives et puis des déclarations de prisonniers nazis. Ils vont découvrir que les scientifiques nazis au sein des camps et même dans d'autres institutions, et ça j'en parlerai à propos de Mengele, avaient réalisé sur des prisonniers ou des gens qui ne faisaient pas partie quand ils n'étaient pas dans les camps de catégorie opportune pour les nazis, de terribles expériences, dont certaines aux moyens de drogues diverses. Et donc de nombreux rescapés de ces camps vont révéler que leurs bourreaux avaient testé sur eux donc des germes pathologiques qu'on leur injectait et qui les tuaient parfois, hein, mais certaines drogues pour qu'on étudie leur comportement et leurs réactions. Certaines avaient été reçues en dose massive, avaient provoqué sur les pauvres victimes des effets absolument insupportables, les plongeant pour certaines dans des folies, dont certaines d'ailleurs n'en sont pas revenues et d'autres qui encore sont mortes carrément. Et donc, je parlais de Mengele tout à l'heure, Joseph Mengele, qui a réalisé, lui, les premiers tests. C'est lui qui a eu l'idée de ces trucs-là, apparemment. Et ça, les drogues sur les cobayes humains, il aurait fait ça avant de se retrouver au camp de concentration. Et ça aurait lieu à Berlin, dans un sinistre institut qui s'appelait le Kaiser Wilhelm Institut, avec l'approbation d'Himmler. Et ces expériences qui ont débuté à Berlin vont se poursuivre dans les camps. Mengele, entre autres, avait eu l'idée de développer une méthode de contrôle de l'esprit par la voie du traumatisme et de l'adjonction de drogue. Puis finalement, ça ne va pas l'intéresser, il préfère les jumeaux, comme vous le savez. Faire des expériences monstrueuses sur ses enfants et sur des adultes d'ailleurs aussi, ce qui lui vaudra le nom d'ange de la mort. En tout cas, ça sera le roi des atrocités. Ce personnage qui testait les émotions des gens sans la moindre émotion lui-même, il regardait les gens souffrir, il adorait ça. Et il n'était pas le seul. Donc il y a énormément de bourreaux nazis qui vont se faire un régal avec les pauvres cobayes humains qui se trouvent dans les camps. Et il va y avoir des récits absolument terrifiants qui vont être rapportés par les rescapés, qui vont expliquer ce que leur ont fait les chercheurs et scientifiques nazis des camps. Et tout ça, ce sont des gens de l'armée américaine, de l'US Army, des enquêteurs qui les interrogent. Sur le coup, évidemment, ils sont stupéfaits, mais en même temps, ils sont très intéressés. Parce que ce qu'on leur raconte, ils se disent, ah, ça peut peut-être servir. Et ils vont se dire, ça peut tellement bien servir que il faudrait qu'on récupère les auteurs de ces monstruosités, et notamment ces médecins et scientifiques sans âme. Et c'est comme ça que certains d'entre eux vont éviter des sanctions qu'ils auraient largement méritées pour avoir fait ce qu'ils ont fait dans les camps. Et ceux-là vont être exfiltrés aux USA. Vous avez peut-être, si vous êtes au courant de ces choses-là, entendu parler de l'opération Paperclip, et nous y sommes. Et il y a un cas particulier qui est documenté sur ces opérations de récupération de scientifiques, c'est notamment celui d'un certain docteur Kurt Blome. En 1945, lui, il va confier aux enquêteurs de l'US Army avoir mené des expériences sur des centaines de prisonniers pour étudier le virus de la peste et pour tester un vaccin. Il va être jugé au procès de Nuremberg pour crime de guerre, comme beaucoup d'autres. Et il sera acquitté pour défaut de preuves, alors que vous avez nombre de victimes, de ces victimes qui sont venues témoigner à la barre de ce qu'ils avaient subi. Eh bien non, ce gars sera acquitté
Alors qu'en plus, du reste, il a tenu une déclaration stupéfiante quant à l'admiration qu'il avait pour Adolf Hitler. Acquitté. Suite à cela, dans les 2 mois, il sera exfiltré par les Américains. Comme tous les scientifiques nazis, il va se retrouver à Camp David. Où il va être, quand David, c'est dans le Maryland, il va être bien interrogé à nouveau, et on va l'intégrer au final, comme beaucoup d'autres, dans un organisme qui s'appelle United States Army Chemical Corps. Donc il va travailler avec des Américains, des scientifiques américains, sur l'élaboration d'armes chimiques et biologiques. Donc, les Américains ont fait une belle affaire quand ils ont été délivrer les alliés. Et en découvrant les camps, ils ont récupéré l'élite scientifique bien pourrie, nazie. Et c'est comme ça qu'eux vont commencer à fabriquer des armes biologiques, bactériologiques, pardon, qu'ils vont aller tester à leur tour sur des cobayes humains. Aucun état d'âme, hein. On va utiliser le savoir-faire aux États-Unis. Il y a 5000 savants à peu près qui ont été exfiltrés. Il y en a 1500 qui vont finir aux États-Unis. On les a fait changer d'identité et ils vont travailler sur des projets qui sont censés contrer le nouvel ennemi qui est devenu l'URSS, évidemment. Parce que l'URSS a fait la même chose. Elle a récupéré les mêmes trucs. Elle sait exactement la même chose. Donc, ils se disent, mieux vaut tenir que courir. On va faire comme eux parce qu'ils ont dû faire la même chose, qu'ils ont dû avoir ça en tête. Donc, on va travailler dans des laboratoires secrets sur le développement d'armes chimiques, comme le Zyklon B, ce fameux Zyklon qui zigouillait tout le monde, et puis toutes les belles terrifiantes spécialités nazies. Et on va mener, notamment, dans un premier temps, des recherches, parce que ce qui intéresse tout le monde, c'est le contrôle mental, des recherches avec des psychotropes. Et bon, il y en a qui feront des choses plus cool, comme Wernher von Braun, qui lui va fonder la NASA, mais bon, tous ne vont pas aller là-dessus. Donc on part sur ces programmes illégaux. Et le premier programme qui sera mis sur place, c'est pas MKUltra, c'est quelque chose qui va le précéder, qui se poursuivra de 51 à 53, et qui s'appelle le programme Artichoke, le projet Artichoke, très exactement. Et ensuite, MKUltra prendra la suite et on partira sur des sous-programmes absolument monstrueux que je vais développer. Alors, pourquoi? Donc, je vous ai dit, le nouvel ennemi, c'est la Russie. En 1946, tout de suite après la guerre froide débute. En fait, les deux grandes puissances sont paranoïaques. Elles savent que l'une et l'autre a pris des éléments allemands et autres. Et elles veulent toutes deux avoir la suprématie mondiale. Donc on s'observe avec inquiétude et on se dit qu'il est temps de travailler pour contrer l'ennemi et de part et d'autre, on va mettre au point le pire. Sachez quand même que les Russes ont quand même fait sauter, dans le cadre de cette guerre froide, la plus grosse bombe nucléaire qui ait jamais existé, qui s'appelait Tsar Bomb. C'était un truc absolument monstrueux. Ce qui s'est passé à Hiroshima était carrément, c'était une bombinette minuscule à côté de ce qu'ils ont fait sauter. C'est bien que la planète en a tremblé. C'était une horreur. Donc, c'est vous dire où ça va, la dinguerie. Donc, va être créée la CIA. Parce que c'est à partir de la CIA que les programmes MKUltra vont être créés. Alors, la CIA est créée en 1947. Sa mission officiellement, et on est parti sur de bonnes bases au départ, a été de faire qu'elle est créée pour protéger le pays de l'influence communiste. Donc, ses actions ne dépendent pas et ne doivent pas être réalisées sur le territoire américain. Elle n'a absolument pas vocation à être impliquée dans les affaires intérieures qui relèvent de la sécurité intérieure. Il est clairement prévu au départ, d'ailleurs, que la CIA va intervenir en Europe afin de barrer la route à l'ennemi rouge. En fait, comme je vous l'ai dit, les Américains redoutent la fabrication d'armes bactériologiques par les Russes, et puis surtout, ils veulent être renseignés. On est au plus près quand on met un pied en Europe pour savoir ce que les autres fabriquent. Puis il y a autre chose qui les dérange, parce qu'il y a la guerre de Corée qui a commencé. Hein ?
qui menace. Elle va commencer en fait en juin 1950. Et après, la CIA a toutes les raisons d'exister, si je puis dire, parce que, comme on est toujours dans la parano du communisme, ce qui a donné l'époque McCarthyste, hein, vous savez ce que c'était quand même, c'est quand même pas de la tarte cette histoire, c'est de la folie ça aussi, eh bien, on craint, avec la guerre de Corée, que des agents américains soient pris par les Chinois, les Russes, les Nord-Coréens et tout ça, et qui contrôlent l'esprit des Américains faits prisonniers. Donc il faut faire des opérations là-bas pour... voilà. Bon. Bref, c'est parti à fond. Et tout ça part d'une crainte de la propagation dans le monde et sur le territoire américain de l'idéologie communiste. Le projet Artichoke de la CIA commence véritablement en 1951, soit 4 ans après la création de la CIA. Il vise à développer des méthodes d'interrogatoire sophistiquées par le biais de la manipulation et du contrôle mental des cobayes humains. Et on va s'apercevoir très vite, mais bien plus tard. C'est pas très vite, c'est bien plus tard que la CIA, elle n'a pas du tout limité, mais alors pas du tout limité, ses opérations à l'extérieur du pays. Ça s'est bien passé sur le territoire américain. Dans le cadre du programme Artichoke, on va user de techniques multiples pour manipuler les cerveaux humains. La désorientation, les chirurgies du cerveau, les électrochocs, des signaux bioélectriques, des privations sensorielles, les gens ne savent plus où ils sont ni comment, l'hypnose à grosse dose. Hein. Mais ce qui commence au début, ce sont les drogues. On commence par les psychotropes et des drogues de tout genre, dont des amphétamines et le fameux LSD. Bah oui. Et ça va être administré en injection à des cobayes. Et puis, tant qu'à faire, bah, Artichoke va commencer autre chose, c'est-à-dire la formation d'agents tueurs. Et ceux-là seront programmés à base de drogue et d'induction psychique. Et ces personnages, on les appellera les candidats mandchouriens. Et ce n'est pas une blague, ça a réellement existé. Ce n'est pas du fantasme. Ceux-là sont des humains transformés, dénués de toute conscience, d'émotion, capables de tuer n'importe qui, n'importe comment et n'importe où. D'accord ? Et ça, on en est toujours là, parce que vu ce que je lis de temps en temps, qui ne relève pas que du complot surréaliste, et d'ailleurs la Russie ne s'en cache pas, ils sont toujours d'actualité. Donc, ça c'est Artichoke. Et on va passer au programme MKUltra. Et MKUltra, c'est la suite, mais ça va être vachement mieux organisé. Le directeur de la CIA de l'époque s'appelle Alan Dulles. C'est lui qui va décider de la mise en action du programme MKUltra qui est destiné à prolonger les opérations de contrôle mental qui ont été menées dans le cadre du projet Artichoke. L'objectif est de pouvoir un jour obtenir un contrôle absolu tant sur des armées de soldats que sur des populations civiles. Alan Dulles croit dur comme fer à la possibilité d'un contrôle sur l'esprit humain. Donc l'opération doit rester secrète, on s'en doute, et vise à développer des techniques qui pourraient être utilisées contre l'ennemi soviétique, de nature à contrôler le comportement humain, et ça marche à l'aide de drogue et de manipulation psychologique. Et Dulles est en totale admiration pour un personnage monstrueux qui s'appelle Sidney Gottlieb. Celui-là est un chimiste et Alan Dulles va le nommer pour diriger le projet MKUltra. Celui-là a fait ses preuves en Europe, il a un sacré pédigré, vous allez voir. En 1952, il était chargé de diriger une équipe qui interrogeait de façon musclée, très très musclée, des prisonniers de guerre nazis. Parce qu'il faut savoir qu'à Munich existait, pendant plusieurs années après la fin de la guerre, ce qu'on appelait des refuges, qui étaient des pavillons, où étaient interrogés de façon extrêmement affreuse des prisonniers nazis ou collaborateurs, ceux-ci dans la plus grande discrétion. On les bourrait jusqu'à la gueule de drogue, on les torturait, et une fois qu'on estimait que ça allait, on les tuait. Aucun problème après,
pour se débarrasser des cadavres. Par contre, on avait fait une petite étude très très détaillée pour voir leur réaction, leur capacité de résistance aussi bien aux drogues qu'à la torture. C'est absolument monstrueux. Et sera donc cet individu qui était chargé de ce genre de jolie besogne, aussi redoutable que froid et aussi pire que les nazis, que Callan Jules va choisir pour diriger le programme MKUltra. Et Gottlieb va se faire une joie de faire tout ça. Et c'est en se fondant précisément sur des documents qui ont été retrouvés dans le camp de Dachau, sur les expériences de manipulation mentale menées par les nazis, notamment avec des drogues, qu'il va débuter son programme. Et il ne va pas se gêner, parce que ce programme qui devait... ces trucs de la CIA qui devait se mener à l'extérieur, ça va être sur le territoire états-unien essentiellement. Ça va viser des militaires, des prisonniers, des malades qui sont soignés dans des unités psychiatriques, mais également des étudiants, vous allez voir. Au vu des documents qui n'ont pas été détruits par la CIA au début des années 70, puisque vous allez voir ce qui va se passer très exactement entre 71 et 73, on a pu déterminer que le programme MKUltra avait recoupé au moins 150 sous-programmes d'expérimentation sur des humains. Ceci ayant été réalisé entre 1953 et 1964, attention, la liste est probablement plus longue, et ça on ne peut pas le démontrer parce qu'il n'y a plus de traces, puisque officiellement ces programmes MKUltra ont été clôturés en 1973. Officiellement du moins, même après 1973. On ignore combien de personnes ont été testées, mais on sait que sur ces personnes ont été impliquées l'utilisation de médicaments et de drogues psychédéliques, des drogues ayant des effets paralysants qui pouvaient parfois tomber au tragique, des thérapies diverses, alors électrochocs, hypnose, ondes radio, électromagnétiques, enfin, des tas de trucs sympas. Mais on dira aussi que dans l'ensemble, toutes ces techniques-là n'ont pas forcément donné les résultats escomptés. En tout cas, nombre de tests ont été réalisés sur des prisonniers, sur des malades et dans d'autres institutions civiles et dans les universités américaines. Alors, dans les universités américaines, c'est intéressant. On va proposer à des centaines d'étudiants en psychiatrie et à de jeunes diplômés dans la discipline d'être rémunérés pour faire des tests. Ce sont des cobayes rémunérés. Et ces tests à la drogue, et notamment la drogue choisie est le LSD, essentiellement, eh bien, ça va être combiné souvent avec de l'hypnose. Sauf que on se dit, ah, oh, peut-être que, comme ils savent, ça ne donne peut-être pas des résultats objectifs. Donc après, on ne va plus les rémunérer. Forcément, ça sera à leur insu. Et parfois, à leur insu, ça va avoir des conséquences tragiques pour certains d'entre eux. Et vous allez voir, notamment sur un cas. En tout cas, la CIA a commencé à expérimenter le LSD sous la direction de Gottlieb. C'était la grande idée de Gottlieb. Lui voit la panacée dans les substances planantes et il est convaincu qu'on aura des résultats très prometteurs. Et vous verrez à la fin pourquoi Gottlieb aime tant la drogue. En tout cas, la CIA finance les expériences au LSD. On sait qu'il y aurait eu une multiplicité de gens qui auraient été testés à la faculté de Columbia et à Stanford University, tout ça c'est en Californie, et qu'un certain Ken Kensey, un étudiant de Stanford, qui deviendra plus tard romancier, bah cet ancien étudiant va confirmer, il va révéler s'être porté volontaire pour ses expérimentations. Il a ensuite été chargé de promouvoir le LSD. Donc, il a été payé pour organiser des soirées LSD qu'il appelait les acid tests. Et durant ces acid tests, on naviguait dans une ambiance très spéciale qui était recréée. On était dans la lumière noire, les peintures fluo, les effets psychédéliques et les musiques.
Et Kensey dira avoir souvent combiné le LSD avec d'autres substances, mais également avec des performances musicales, et en particulier celle du groupe Grateful Dead. Et comme par hasard, le parolier du groupe en question, qui s'appelait Robert Hunter, lui va dire, bah oui, moi aussi j'ai collaboré au projet MK Ultra, version LSD, et j'étais volontaire. Donc ces fêtes multiples et variées menées avec la jeunesse californienne, bah ça va partir sur le mouvement psychédélique. On va partir dans les années 60 sur les grands mouvements de la contre-culture américaine qui vont influencer les mouvements à venir, c'est-à-dire New Age, hippie et compagnie. Et hop, Lucy in the Sky with Diamonds. Et pas que ça, parce qu'il y a les Doors, souvenez-vous, hein. Parce que leur musique et ce qu'ils racontaient quand même, c'était pas piqué des hannetons, et c'était évidemment, dans certains cas, des chansons qui ont été écrites par Morrison sous emprise du LSD. Voilà. Et on va tester aussi les étudiants avec d'autres petites bricoles du genre mescaline, MDMA, c'est-à-dire ecstasy, méthamphétamine, héroïne, les champignons magiques évidemment. Et tout ça combiné avec des bons barbituriques à l'ancienne. Vous voyez, des trucs qui vous tuent. On sait qu'à la, d'une certaine manière, on le sait, qu'à l'université de Denver, dans le Colorado, de multiples expériences ont été menées où on combinait l'hypnose avec tout ça. Et à la célèbre faculté d'Harvard, va étudier un mec qui s'appelle Ted Kaczynski, qu'on connaîtra plus tard sous le nom d'Una Bomber. Celui-là, il a participé également au projet, mais on ne sait pas si c'est volontairement ou pas. Ce mec était une tête. Il obtient à Harvard un diplôme de doctorat de mathématiques. Il est ensuite tellement brillant qu'il décroche tout de suite un poste de professeur adjoint en mathématiques à l'université de Berkeley. Mais il va se faire le LSD. Et ça le rend complètement schizophrène. En 1969, sans crier gare et sans dire quoi que ce soit, il disparaît de l'université de Berkeley. On ne sait pas où il est passé, on découvrira assez vite qu'il est parti se réfugier dans les montagnes du Montana, dans une cabane de quelques mètres carrés, où il n'y a ni eau, ni électricité, ni rien. Et il met au point un sinistre projet, celui de tuer des gens. Parce que comme il est complètement schizo, mais également parano, il va décider de tuer des gens. Mais alors, ça va durer 17 ans avant qu'on le retrouve. C'est un de ses frères qui, un jour, en lisant un article de journal, parce qu'il a dû écrire un truc, il a reconnu l'écriture de son frère, il l'a dénoncé. C'est comme ça qu'on l'a pu l'arrêter. En tout cas, il va viser, en particulier les universités, puis après, ce sont les compagnies aériennes. Il va quand même tuer 3 personnes avec ces bombinettes-là, et ont blessé pas mal d'autres. On va expertiser psychiatriquement le bonhomme, on découvrira effectivement qu'il souffre de schizophrénie paranoïde, et qu'il est donc, dans ces cas-là aux États-Unis, quand les gens sont fous, on les juge quand même, on les emprisonne, mais on ne leur fiche pas sur le dos la peine de mort. Ils prennent perpète. C'est ce qui arrivera à cet homme-là. En tout cas, va y en avoir un paquet dans tous les azimuts. Chez certains cobayes, on va même en rajouter, on va induire des infirmités. C'est plus rigolo. Voilà. Et alors, il y a un document daté de 1955 qui n'a pas été détruit, qui classifie, je vais vous le lire, vous allez voir, le matériel et les substances utilisées pour mener à bien les expériences sordides de la CIA sur ces tortures mentales, psychiques, qui visent à modifier le comportement humain. Alors, on leur met ces braves gens, dans les veines ou dans leurs verres, des substances générant un comportement impulsif ou une confusion mentale qui va les mener à des impossibilités de raisonner. En ce cas, le but poursuivi vise à ce que le sujet se discrédite publiquement. Donc, on peut coller ça dans le verre d'un homme politique, ni vu ni connu, et le mec, c'est foutu. On va mettre au point des substances qui, à contrario, vont augmenter les capacités mentales et améliorer les perceptions.
Il est également programmé d'utiliser des substances qui provoquent de manière irréversible les symptômes d'affection mentale et de troubles psychiques, pour ne pas dire psychiatriques. Ça, c'est le cas d'Una Bomber. Il a dû prendre ça. Il y a des substances qui altèrent la personnalité et peuvent induire une dépendance à une personne déterminée, c'est-à-dire vous êtes fou, amoureux fou de votre facteur, d'un seul coup, vous ne le lâchez plus, vous ne savez pas pourquoi, mais enfin bon. Des substances qui diminuent la volonté et l'efficacité au travail. En ce cas, des quantités infimes sont administrées qui restent impossibles à détecter. Ça, c'est pratique, vous voyez. Ni vu ni connu. Il y a des substances qui génèrent de la faiblesse pour mener jusqu'à l'apathie, qui modifient les perceptions auditives et visuelles. Ça, c'est pas mal aussi. Certaines rendent la personne comme un légume, tellement apathique, elle n'a plus de force. Elle ne peut même plus se lever, elle ne peut plus rien faire. Mais ça, les effets sont ponctuels. Elle peut retrouver la frite si on arrête de leur mettre des trucs de la potion dans son verre. Il y a des substances qui entraînent des handicaps physiques, qui peuvent mener à l'anémie, à l'anorexie et à la paralysie des jambes. Vous avez des substances plus agréables, puisqu'elles plongent les gens dans un état euphorique très agréable. Alors, on a vu des militaires qui avaient pris ça, ils se gondolent de rire, on n'arrive pas à les arrêter. Les mecs sont pliés de rire, tellement c'est rigolo, mais ils ne savent pas pourquoi, hein. Là, c'est plus rigolo, c'est plus sympa. C'est sans effet secondaire, en plus. Puis on en revient. Hein. Alors, il y a des substances également qui renforcent la résistance aux privations, aux actes de torture, aux pressions en cas d'interrogatoire ou la résistance à un lavage de cerveau. Vous avez vu les résistances physiques. Marrant, le mec dans Pont Saint-Esprit qui avait sauté par la fenêtre, il se pète les deux jambes, ça fait mal quand même. Et il continue à courir, il a pas mal. Vous avez également des substances qui intensifient les effets de l'alcool et de l'ivresse et de l'état d'ivresse, des matériels qui préviennent et éliminent l'ivresse alcoolique d'un seul coup, ça c'est bien. Alors ça, on passe dans la technique maintenant. Il y a des matériels et techniques qui provoquent l'amnésie avec une perte partielle et complète de la mémoire. D'autres qui facilitent les inductions aux états hypnotiques en les rendant plus efficaces. Il y a également les agressions ou les manipulations physiques qui provoquent des états de choc ou une confusion mentale importante. Voilà la liste qu'on a retrouvée parmi les éléments déclassifiés qui n'ont pas été détruits et qui sont les programmes MKUltra. Une liste de ce qu'on pratique. Alors, certaines victimes ont été recrutées par la voie du chantage aussi. Hein. D'autres se sont retrouvées dans des situations où on leur met un petit film, on leur dit « Ah, bah, il y a eu un enregistrement, vous voyez, là, vous pouvez pas ne pas collaborer avec nous. » Non, ça serait bête. Bon, il y en a qui se sont retrouvées dans des situations autres, et notamment les malades psychiatriques. Ceux-là, ils sont déjà mal barrés, donc on en rajoute une petite dose. Bon, je vous ai parlé des militaires aussi. Alors, les militaires, eux, comme des agents du FBI aussi, et de la CIA, leurs collègues leur balançaient des trucs pour voir ce que ça faisait, vous voyez. Ça, c'est quand même pas mal. Il y a des militaires qui on leur a pas demandé leur avis, des troufions de base, ils en ont pris plein la tête, ceux-là ont eu des grosses séquelles. On retrouve des trucs sur Internet, si on veut voir, mais je vais pas développer ça aujourd'hui. Il y a même eu des Hongrois, des réfugiés hongrois aux États-Unis qui ont eu droit. Ceux-là, ils ont subi des sévices divers. Bah oui, réfugiés après la guerre, bah, peut-être qu'ils avaient besoin de papiers, les gars. Bah, si tu veux tes papiers, Coco, bah, faut y presser, hein. Sympa. Mais il n'y a pas qu'aux États-Unis que ça s'est passé aussi. Il y a eu des monstruosités qui ont été commises, on peut dire, dans le prolongement de la CIA au Canada et à Montréal en particulier. Alors, on va commencer par les USA. Là, on passe aux hôpitaux. Au sein de l'hôpital communautaire de Lexington, dans le Kentucky, un certain docteur Isabelle, dirige tout ça, recruté par la CIA, avec pour mission de créer des drogues synthétiques qu'il va tester sur ses patients. La majorité étaient des Amérindiens ou des gens de couleur, surtout des gens de couleur. Ceux-là étaient traités dans l'unité des malades dépendant de l'alcool et de la drogue. Au lieu de soigner les patients, qu'est-ce qu'on faisait ? Cela était venu volontaire, hein, se faire soigner. Bon, on leur collait de la drogue à plein pot. Les personnels soignants et médecins leur administraient des quantités phénoménales de drogue à leur insu majoritairement. Mais il y en a d'autres qui étaient au courant et qui ont dit « Ah, bah, si ça peut me soigner, allez hop, allons-y au traitement de choc. » Alors, ceux-là, ils vont avoir de la morphine, de la mescaline, de la marijuana, de la scopolamine, mais surtout du LSD. Certains se verront injectés
des doses massives de LSD pendant 2 mois d'affilée. Je crois qu'il y en a eu une dame, je crois qu'elle a eu 3 mois, il me semble. Je ne sais plus si aux États-Unis ou au Canada. D'autres vont subir des combinaisons d'amphétamines avec des barbituriques. Alors là, c'est quand il y avait en fait des barbituriques, on leur injectait un produit dans chaque bras, l'un après l'autre, pour voir ce que ça donnait à la sortie. Au Boston Psychiatric Hospital, on a testé des drogues très lourdes sur des patients dépressives, schizophrènes et alcooliques. Selon, on leur a rien demandé, hein. Ils s'en sont parmis pour la plupart, hein. Beaucoup ont gardé des séquelles, certains n'ont jamais plus atterri, puis il y en a qui sont morts. Alors au Canada, on en vient à l'un de mes préférés comme Gottlieb, parce que dans l'horreur, celui-là, il est très bien. Le mec en question s'appelle Cameron. Donald Cameron. C'est un psychiatre américain qui est d'origine écossaise. Mais il a été travailler, il s'est installé au Canada, à Montréal. Celui-là n'est pas n'importe qui, c'est une sommité en matière psychiatrique. Il a été président de l'American Psychiatric Association, ensuite celle la même mais au Canada, et pour terminer, World Psychiatric Association. Donc c'est un grand pont de la psychiatrie. Et celui-là s'est comporté, on peut le dire, à l'égal des pires sadiques nazis qui ont torturé les gens dans les camps de la mort. En 1943, il va prendre la direction de l'Allan Memorial Institute, qui dépend à l'époque du Royal Victoria Hospital de Montréal. Cet institut va être créé et financé par la Fondation Rockefeller. Vous allez voir qu'on va reparler de Rockefeller tout à l'heure. Il faut savoir qu'en novembre 1945, aussi, il a collaboré avec le psychiatre américain Nolan Lewis et le psychiatre français Jean Delay, qui était une sommité, pour expertiser Rudolf S., le nazi Rudolf S., en vue de sa comparution au procès de Nuremberg. Il a donc expertisé S. Il a collaboré également à l'élaboration du code Nuremberg. Et le code Nuremberg servait à mettre fin aux atrocités. Hein? C'était une codification internationale qui définissait des critères précis, notamment encadrant les expérimentations sur des humains. Et le premier critère qui était retenu, c'est le consentement des cobayes. On ne pouvait plus, à partir de ce code-là, travailler à l'insu des gens. Lors d'une réunion qui se tient en 1951, à laquelle Cameron a participé avec son collègue Nolan Lewis, il va être décidé d'expérimenter sur des humains du LSD, la fameuse molécule de Suisse d'Hoffmann. Et pourquoi? Parce qu'en 1948, Hoffmann a déposé son brevet, et le brevet de sa découverte aux USA. En 1957, une série d'articles paraissent dans la presse américaine qui vont décrire les bons soins du docteur Cameron, notamment pour ce qui concerne les protocoles de soins par le sommeil et les électrochocs pour traiter des patients qui ont des troubles psychiatriques, dont la schizophrénie. Oh, on trouve ça très bien comme article, c'est génial, le public est content, on peut enfin soigner tout ça. Bah oui, mais il y en a qui tombent sur les articles, c'est Sidney Gottlieb. Oh, merveilleux, ce collègue, il contacte. Il lui dit, vous n'auriez pas travaillé pour nous, là, MKUltra. Très bien, non? Et c'est ainsi que Cameron sera financé secrètement par la CIA pour mener tranquillement ses odieuses expérimentations sous couvert d'une organisation écran qui s'appelle le Society for Investigation of Human Ecology. Sympa. Et il va toucher du pognon de ça, mais également du gouvernement canadien. On en reparlera tout à l'heure. En tout cas, dans son nouvel institut de Montréal créé par la Fondation Rockefeller, Cameron va affiner son petit traitement administré à ses patients cobayes. Et ça va consister à les maintenir endormis de 30 à 60 jours parfois. On leur file pour ça du Véronal, du Séconal, du Nambutal, qui sont des barbituriques, puis un puissant neuroleptique, et puis celui-là s'appelle le Largactyl ou un truc dans ce goût-là, si bien qu'une de ses patientes, elle va roupiller pendant 3 mois, hein, tranquille.
mais surtout, il adore le LSD. Oh, qu'est-ce qu'il aime ça, lui. Il est comme Gottlieb, pareil. Hein, si bien que les pauvres patients de l'hôpital subissent, à leur insu évidemment, des injections de LSD. Avec les électrochocs, c'est plus rigolo. Sauf qu'on dira que l'intensité et la fréquence des électrochocs qu'ont subi ces patients est de 30 à 40 fois supérieure à la normale. En fait de traitement, on est arrivé à ce qu'on appellera, parmi les programmes, dans le cadre de programme MKUltra, on est arrivé au psychic driving, c'est-à-dire une méthode de contrôle mental mise au point sur les malades. Parce qu'en fait, le but de l'opération, et vous allez voir comment, c'est de les déprogrammer et de les reprogrammer. Parce que pendant qu'ils roupillent ou qu'ils sont sous drogue, on leur balance les mêmes phrases susurrées qu'un magnétophone, on leur met en boucle les trucs, on leur distille des sons bien précis. Avec un appareil qu'on a baptisé le dormiphone. C'est pas mignon ça ? Et pour les cobayes, les effets sont redoutables. Parce que quand ils ont subi des séances de sommeil prolongé avec ce truc-là, pendant des mois, parfois, en tout cas des semaines, ils ne savent plus parler. Ils oublient qu'ils savent parler. Ils ne reconnaissent plus les membres de leur famille. Parfois, ils prennent des gens qui n'ont rien à voir pour des membres de leur famille. La plupart auront des séquelles irréversibles et resteront amnésiques et confus. Et cet odieux programme mené par Cameron au Canada se déroulera tranquillement et dans le plus grand secret jusqu'en 1977, parce que là va y avoir un scandale. Il va y avoir un Américain qui s'appelle John Marks, qui va en effet saisir le Freedom of Information Act et obtenir la déclassification d'un grand nombre de documents relatifs au programme MKUltra, qui sont menés sur le territoire américain ainsi qu'à l'étranger. Et à ce moment-là, vous avez le New York Times et le Washington Post qui vont reprendre l'info et vont faire des articles mémorables pour exposer à jour et à la vue du public les programmes secrets de la CIA. Et on va tomber sur les ignominies pratiquées sur un nombre invraisemblable de citoyens. Il va y avoir une femme qui s'appelle Vera Orlikov qui va lire un de ses articles. Et celle-là n'est pas n'importe qui, c'est l'épouse d'un politicien canadien. Et celle-là, elle fait le rapprochement avec ce qu'elle a subi à la Land Memorial Institute du Dr Cameron. Et elle commence à sonner de tas de trucs. Et elle va déposer une plainte contre la CIA. Mais c'est en fait en 1984 que le scandale va vraiment éclater au Canada. Et ce qui va choquer profondément les Canadiens, c'est qu'on va découvrir que le gouvernement canadien était non seulement parfaitement au courant des méthodes employées, mais qu'il a également financé. D'autres victimes vont faire de même. Elles vont déposer des plaintes contre le gouvernement canadien pour obtenir des dédommagements. Et ça, il va y en avoir pléthore en 80-90. Toutes ne seront pas indemnisées. Il y en aura certaines. Mais ça continue et de nos jours, le scandale est toujours d'actualité. J'étais dans la presse pour voir où ça en était et je suis tombée sur quoi ? Sur un article d'un média qui s'appelle CBC, article qui date du 15 décembre 2017, qui évoque les négociations qui sont encore en cours avec les familles de victimes. Et cet article évoque le cas du dédommagement demandé par le mari d'une certaine Jean Steele, qui a été largement victime des maltraitances du docteur Cameron. Effectivement, la pauvre femme a été traitée à son institut pendant près de 3 ans, et elle ne s'en est jamais remise. Elle est ressortie avec un cerveau bloqué à l'âge d'une fillette, quoi. Régression mentale absolue. Et elle était rentrée dans la fameuse clinique, pourquoi ? Parce qu'elle avait fait un baby blues, une dépression postpartum. 3 années de traitement immonde, comme des centaines d'autres victimes. Son mari va, sous couvert du droit à l'information, demander à ce que son dossier médical soit transmis. Il va l'avoir. Qu'est-ce qu'on voit ? Qu'elle a été traitée au LSD, qu'elle a subi des multiples séances d'électrochocs, qu'elle a été plongée dans des comas prolongés qui vont durer parfois plusieurs semaines d'affilée, qu'elle aura dû, elle aussi, écouter en boucle des messages préenregistrés avec le dormiphone, que quand elle arrivait à sortir de l'institut, son mari a remarqué que quand elle devait y retourner, parce qu'elle n'allait pas mieux, loin s'en faut,
C'était tragique, elle poussait des hurlements et une fois, elle a eu tellement peur de retourner qu'elle a sauté en marche de la voiture. Son avocat, Maître Stein, qui défend la famille et qui est en relation avec sa fille, va dire qu'il est l'avocat aussi d'autres victimes ou de familles de victimes. Et que il va expliquer qu'il est furieux contre le gouvernement canadien. Alors ça, c'est en 2017, hein, parce qu'une ordonnance du ministère de la Justice réglemente les indemnisations à l'amiable. On impose une clause de confidentialité incontournable sous couvert de pas de fric, vous parlez pas de fric. En gros, c'est ça. Et lui est furieux parce qu'il dit, finalement, les gens ne peuvent plus parler, ils ne peuvent plus raconter, il y a d'autres victimes et elles ne peuvent plus parler. Elles ne sauront pas, elles ne parleront pas puisqu'elles ne savent pas. Donc, il a reproché de façon très verte cet avocat au gouvernement Trudeau d'acheter le silence des victimes et il n'a pas tort. Nombre de victimes également se sont plaintes que les gouvernements successifs au Canada ne se soient jamais excusés. Alors qu'on sait de façon avérée que le gouvernement canadien a versé à Cameron pour ses expériences une aide gouvernementale de 500 000 dollars qui équivaut quand même à 4 millions de dollars actuels. On sait également que la plupart des gens qui ont été traités dans son institut étaient des gens qui avaient des pathologies mineures. Petite dépression, dépression post-mortem, anxiété, simplement de l'anxiété. Cela sont passés à la moulinette, ils sont revenus avec des séquelles irréversibles. On n'aurait pas fait mieux dans les camps avec les nazis. Et MK Ultra, alors ça c'est pour le Canada, on revient aux États-Unis. MK Ultra s'est infiltré partout, y compris dans les maisons closes. On saura que la CIA a en effet étendu son contrôle sur des lieux de prostitution afin de mener à bien ces petites expérimentations. Et il y a un nom à l'opération, ça s'appelle Midnight Climax. Et les propriétaires de maisons closes, évidemment, on leur a dit, bah écoutez, vous n'avez pas trop le choix, parce qu'on a peut-être vu fiscalement, enfin on a dû leur faire des trucs comme ça. Donc ils sont obligés de laisser les gens de la CIA hein, et des programmes s'installer et aménager un peu chez eux. Alors aménagement, c'est des glaces sans teint pour voir ce qui se passe. Et puis, il y a même des hôtels, des planques de la CIA à New York, notamment à Greenwich Village, qui vont être transformées en refuges, c'est-à-dire des hôtels de base. Voilà. Les prostituées vont être formées, sélectionnées. Elles vont attirer les hommes vers les endroits que la CIA leur désigne, qu'on appelle les refuges, et elles foutent du LSD dans le whisky du mec. Et... c'est parti, mon kiki. Pendant ce temps-là, il y a des agents de la CIA dissimulés qui regardent ce qui se passe, qui écoutent, qui enregistrent. Puis voilà. Puis alors, quand on n'a pas l'image, bon, on peut avoir que le son. C'est-à-dire que dans des trucs un peu moins bien équipés, il y a simplement des prises qui ont l'air de trucs de prise électrique qui sont en fait des enregistreurs. Donc la nana, elle n'a plus qu'à appuyer sur le bouton pour que ça enregistre tout ce qui se passe. Et certains clients qui vont participer à ça en toute connaissance de cause. Bah oui, ceux-là, on leur a fait aussi le chantage. Dis donc, Coco, sur l'image, c'est qui? Tu vois que ta femme, elle le voit? Bon, bah c'est parti, mon kiki, allons-y. Donc, on sait très bien manipuler les individus. Et il va y avoir une majorité de ces opérations MKUltra avec ce sous-programme Midnight Climax qui vont être réalisées à San Francisco, dans le comté de Marin qui se trouve également off San Francisco, en Californie, puis dans divers endroits de la Californie. Alors on passe aux militaires également. Alors 6500 militaires au moins vont avoir droit aux opérations LSD, drogue, machin, tout genre. Des agents de la CIA, comme je vous l'ai dit, des gens du FBI. Alors tout ça, bah, c'est les collègues qui leur collent ça dans le café. Hein. Il y en a quand sont morts quand même, parce que là, il y a eu des bonnes doses, apparemment, c'est mal passé. Mais alors ce qui est plus grave quand même, c'est qu'il va y avoir un truc sur les enfants. On est à peu près certain qu'il y a un camp de vacances qui, durant un été, des années 50, je crois, ont été maltraités avec ces méthodes-là. Des enfants qui étaient partis dans un camp de vacances qui était l'International Summer Camp. Et ceux-là, ces enfants-là ont subi des atrocités. On leur a foutu de la drogue, ceux-là aussi, mais ils ont été victimes d'abus sexuels et de tortures et d'irradiation, les irradier avec de la tombe, quoi.
Donc, la CIA a toujours nié ces expériences menées sur des enfants qui pourtant avaient les sous-projets avaient des noms de code, mais là qui étaient numérotés 102, 103, 112 et 117. Et malgré les témoignages de psychiatres et de psychologues qui ont pris en charge les enfants traumatisés ensuite, la CIA a toujours nié. On va rester pendant un moment sur les drogues, puis ensuite on va passer à autre chose, parce qu'avec le LSD notamment, ça a des effets imprévisibles, on n'arrive pas à contrôler les cobayes. Et on va se focaliser sur la psychoélectronique après. Alors il y a les électrochocs, si on connaît, les impulsions électriques et des diffusions d'ondes avec des fréquences moyennes, mais très étudiées, et qui mettent le cerveau des gens en vrille. On va implanter des implants dans les cerveaux de cobayes. Alors comme ça, on arrive plus facilement à modifier leur état psychique. Alors toujours dans le négatif, hein, on sélectionne, on ne va pas les foutre dans l'hilarité, on va les coller dans le bien bas. Donc ça les rend dingues, ils sont pris de désir incontrôlable, ils plongent d'un seul coup dans la dépression et dans l'idée de suicide, allez, poum, terminé, ou alors complètement léthargique. On peut les mener aussi à certains sujets avec certaines ondes, quand ils ont le cerveau qui a été travaillé, on peut les endormir à distance. Pratique quand on veut tuer quelqu'un qui est au volant. Hein. Très bien. Ou alors, il y en a qui entendent des sons et qui deviennent fous, parce que dans la réalité, ces sons n'existent pas. Alors, combiné à l'hypnose, à des projections d'ondes électromagnétiques et tout ça, ça influence les pensées. On arrive à faire penser à des gens qu'ils pensent exactement ça, alors que la pensée est induite. Vous vous rendez compte ? Ils ne savent pas, les gens, que ça ne vient pas d'eux. Ils se disent, tiens, mais c'est tout. Donc, il y aura 150 sous-projets qui ont été menés à bien. On en est à peu près certains dans le cadre des projets MKUltra. Ça aurait dû s'arrêter dans les 70. Il semblerait qu'il y ait eu des expériences qui aient été faites, même si c'était officiellement terminé jusqu'en 88. En tout cas, pour que ça s'arrête, un jour tout va changer. En 1972, il y a d'autres sources qui évoquent 1971, le directeur de la CIA, qui à l'époque s'appelle Richard Helm, il va ordonner la destruction d'une partie des archives des programmes du projet MKUltra. Il sent que ça sent le brûler probablement et qu'il ne faudrait peut-être pas laisser trop de traces. Il y en a un qui va lui emboîter le pas, c'est le directeur, Sidney Gottlieb, qui lui va détruire de ce qui reste d'archives en 1973. Alors plus tard, quand on lui demandera des comptes devant la commission d'enquête, eh bien la CIA justifiera cette destruction massive, dont seule une certaine opération MK Naomi, dont je vais vous parler tout à l'heure, parce que vous comprendrez que ça implique directement notre sujet du jour. Donc, destruction massive, parce que les citoyens américains ne comprendront pas le bien fondé de leurs petites expériences et risqueraient de mal les interpréter. Voilà, il faut le faire. En tout cas, 2 ans plus tard, le scandale éclate, mais fort fort, avec un article qui est publié le 22 décembre 1974 par le New York Times, que vous pouvez trouver très facilement sur Internet, que j'ai lu. Et celui-là révèle les opérations qui sont menées par la CIA sur le territoire américain, qui touchent à la surveillance de certains citoyens sous la présidence de Nixon. En fait, on parle de ces gens qui sont surveillés parce que ce sont des pacifistes et ils font des manifs contre la guerre du Vietnam. Ok ? Donc c'est de cela qu'on parle. Mais on fera allusion également à d'autres opérations de la CIA occultes qui sont d'une extrême gravité. Et c'est comme ça qu'on commence à faire part des fameuses opérations MK Ultra. Et c'est comme ça également que les archives, on mentionne qu'elles ont été détruites dans cet article. Entre 71 et 73, il y a eu un gros ménage. Quand il apprend ça, le public américain est absolument stupéfait, horrifié, en état de choc. Immédiatement, le département d'État réagit en déclarant que Richard Helm, qui entre-temps est devenu ambassadeur des États-Unis en Iran, n'a jamais fait quoi que ce soit, n'a jamais ordonné des opérations de surveillance à l'égard des citoyens américains, et notamment des militants ou des dissidents, enfin des gens anti-guerre du Vietnam. Mais il y en a un qui est bien embêté, c'est le président Gerald Ford, qui a été
élu suite à Nixon, parce qu'en 1975, ça va pas bien. Il a toujours le scandale du Watergate qui continue à faire des vagues. La population ne croit plus au pouvoir gouvernemental et il veut jouer le jeu de la transparence. Donc après l'article du New York Times qui vient le 22 décembre 1974, très vite dans les mois qui suivent, le président Ford ordonne qu'il y ait une commission d'enquête qui se forme et qui enquête sur toutes les opérations de la CIA. Transparence des opérations menées par la CIA. Il veut rétablir la confiance vis-à-vis du président. Cette commission d'enquête va être présidée par quelqu'un d'important qui est le vice-président des États-Unis. Et ce vice-président à l'époque est Nelson Rockefeller. Tiens, tiens. Dont la fondation avait filé du pognon à Cameron au Canada. Bon. En tout cas, ça va être très sérieux. La presse est là. Il y a des tas de gens qui vont être écoutés. Des milliers de documents, du moins ce qui reste, parce que c'est totalement véniel, hein, ce qui reste que l'essentiel, le plus grave, a été détruit. Mais en tout cas, il y a des tas de documents qui vont être étudiés. La commission va relever qu'en 1973, la CIA a détruit volontairement les registres et les preuves du programme MKUltra, qui était dirigé par Gottlieb. Et on va parler à ce moment-là du fameux scandale de Frank Olson. Alors, celui-là est décédé dans les conditions mystérieuses en 1953. On va inviter Gottlieb à venir parler de ça, parce que ça le concerne directement. Ah, Gottlieb, il dit « Non, non, moi, je peux pas, hein, je suis pas là, je suis à l'étranger, je peux pas revenir. Hein. » Il est vrai qu'après avoir pris sa retraite, Gottlieb et son épouse sont partis très très loin, très très loin, vivre en Inde. Ils reviendront aux USA bien plus tard. Un peu avant la mort de Gottlieb. Et Gottlieb va aller en Inde pour diriger un hôpital pour lépreux. Ceci pendant 18 mois. Je n'ose même pas savoir ce qui est arrivé à ces pauvres gens. Parce qu'il a dû les tester certainement à mort par réflexe. En attendant, c'est dommage qu'il soit parvenu. En tout cas, l'enquête de la commission Rockefeller a permis de valider l'existence incontestable et irréfutable des projets MKUltra, des agissements qui ont été perpétrés dans le cadre de ces programmes, de savoir qu'il y a eu des cobayes par milliers qui ont été testés, peut-être par dizaines de milliers, on n'en sait rien, dont certains avec des drogues, dont ce fameux LSD, qui a été finalement abandonné en 1963 sur le LSD, suite à un rapport de l'inspecteur interne de la CIA, quand il a vu que c'était pas, ça dépensait beaucoup de fric pour pas grand-chose, il a dit on arrête, parce qu'en plus les gens n'arrivent pas à les contrôler, donc c'est pas bon. Selon certaines sources qui seront révélées, notamment par le New York Times, qui va continuer, parce que le Times va vraiment aller loin, dans un article de 1975, va y avoir un descriptif des expériences menées sur des sujets avec des drogues exotiques. Et là, il va être dit que ça va suivre pendant des années. Et puis, là sera dit très clairement que c'est Gottlieb qui a organisé la destruction des archives. 152 fichiers en tout. Après Richard Helm, comme j'ai dit tout à l'heure. Et que ceci fait, quand tout a été terminé de détruire en 1973, les deux ont pris leur retraite. On va savoir également que Gottlieb a été récompensé pour ses joyeux, merveilleux services, bons et loyaux services, par une belle médaille, la Distinguished Intelligence Medal, que des tas de collègues à lui vont chanter ses louanges en disant que c'était un homme merveilleux, un vrai patriote. C'est notamment le cas d'un psychologue de l'agence qui va dire que c'était l'homme le plus brillant qu'il n'ait jamais croisé. Allez. L'intelligence du mal. En tout cas, une fois l'enquête de la commission Rockefeller achevée, le président Gerald Ford va prendre un décret exécutif d'exécution immédiate, interdisant l'expérimentation de drogue sur des sujets humains, hormis avec le consentement éclairé du sujet, ce consentement donné par écrit et en présence d'un témoin totalement désintéressé. Voilà.
En 99, on va apprendre une bonne nouvelle. D'abord, Gottlieb a cassé sa pipe. Ça, c'est le New York Times qui fait encore un article. Vivement l'enfer pour lui. Enfin, encore qu'il faut, est-ce qu'il faut se réjouir de la mort de quelqu'un? Enfin, celui-là ne sera pas une grosse perte. Et il a été voir un pote de Gottlieb qui s'appelle Monsieur Gittinger, un de ses proches, l'ami de la famille. Et celui-là, oh, il est fasciné par Gottlieb, il l'adore. Il va raconter des petits trucs, notamment Gottlieb était fasciné par les drogues. Et notamment par le LSD. Et qui s'en prenait, il se camait au LSD, le mec. Il s'est camé, Gottlieb. On en sort un peu plus sur ce Gottlieb, fils de réfugié hongrois juif orthodoxe, qui va se chercher spirituellement, au point de devenir agnostique, mais complètement, jusqu'à ce qu'il ait la révélation. Le bouddhisme zen. Et ce Gottlieb qui va, on peut dire, exterminer de manière indirecte des milliers de personnes et gâcher la vie de milliers d'autres, va pratiquer le bouddhisme zen toute sa vie. N'est-ce pas merveilleux? Enfin bon, revenons-en à nos moutons. Parce que si je vous ai parlé de tout ça, c'est qu'il y a une raison. On va en venir à l'enquête d'un certain Hank Albarelli, qui est un journaliste américain indépendant, qui décide en 1995 d'enquêter sur la mort hautement suspecte survenue à New York en 1953 d'un biochimiste. Celui-là, c'est le docteur Frank Olson dont j'ai parlé tout à l'heure. Celui-là est un ancien spécialiste de l'anthrax qui a, à un moment donné, rejoint une division de l'US Army et notamment celle qui se trouve dans le centre ultra-secret de Fort Derrick dans le Maryland. Les personnels qui travaillent là travaillent sur des sujets hautement classifiés par l'armée, mais également des sujets hautement classifiés par la CIA. Si l'on s'en tient à la version officielle, Olson, depuis un bon moment, parlait. J'ai vu une interview de son fils qui disait, en l'occurrence, qu'il avait des... Il s'était mis à parler parce qu'il n'en pouvait plus. C'était plus en accord ce qu'on lui demandait de faire avec ce qu'il était. C'était pas du tout en accord. Donc il a commencé à parler et à devenir un électron libre. Donc il était dans le viseur. Et un bon matin, alors il a probablement été drogué à certains moments, cet Olson, hein, à son insu. Enfin, en tout cas, un bon matin, il séjournait à New York, à l'hôtel Pennsylvania, dans les étages, tout en haut. Et hop, il va avoir la bonne idée de se défenestrer, mais en passant à travers une fenêtre fermée. Quelle drôle d'idée. En général, on ouvre la fenêtre. Enfin bon. Sauf que, comme la mort est suspecte, des années plus tard, son fils, ou je ne sais trop qui, obtiendra la possibilité, dans le cadre d'une enquête, de regarder ce qu'il en est, et il sera exhumé, il y aura une autopsie qui va révéler que la version officielle du suicide par défenestration est totalement pipeau, puisque ce mec a été manifestement tabassé. Bon, après, on saura que la famille Olson aurait reçu une indemnisation gouvernementale qui serait de l'ordre de $750 000. En tout cas, c'est cette histoire Olson, que je pourrais développer beaucoup plus, que c'est fort intéressant, mais que je ne ferai pas aujourd'hui. C'est cette histoire qui va amener le journaliste indépendant Frank Albarelli à enquêter sur certaines opérations ultra confidentielles menées par la CIA durant la guerre froide. Et c'est ainsi qu'il va tomber sur l'affaire de Pont-Saint-Esprit, à des milliers de kilomètres des USA. Il n'en revient pas. Et il va étudier, comme d'autres, les fameux documents qui ont été déclassifiés et qui ont été soumis d'ailleurs à la commission Rockefeller. Et comment il va tomber sur Pont-Saint-Esprit? Ce qu'il va mentionner dans le livre qui sortira plus tard. Et bien, il va tomber sur un document qui relate une conversation qui a eu lieu entre un représentant des laboratoires Sandoz, donc tout le monde sait que Sandoz est le fournisseur LSD de la CIA, et un ancien employé de la CIA qui côtoyait régulièrement Olson dans le cadre de son travail sur les programmes ultra-secrets. Et au cours de cette conversation, qui va être rapportée, parce que, évidemment, comme le mec est un ancien de la CIA, ça doit être un ami en même temps, il fait des rapports, on découvre quoi? Que le représentant des laboratoires Sandoz va confier à l'ex-agent de la CIA
que la substance qui a intoxiqué nombre d'habitants de la petite ville de Pont-Saint-Esprit en France en 1951 et du LSD, il n'a rien à voir avec l'ergot de serre. D'accord ? Mais il faut savoir que le LSD est tiré de cet ergot de serre. C'est une des substances alcaloïdes. Puis quand vous regardez l'attitude des gens qui voyaient des serpents, qui voyaient du feu, qui voyaient des horreurs, qui voyaient des monstres. Alors les monstres, on ne sait pas comment ils étaient. Qui ont eu des trucs, ben c'est des trucs. Les very bad trips au LSD, ça donne ça. Les serpents qui grouillent de partout, prenez de l'ayahuasca, demandez au peintre sous ayahuasca ce qu'il peint, regardez leur dessin et leur peinture, c'est du psychédélique. Ben voilà ce qui est arrivé aux gens de Pont-Saint-Esprit. Et c'est pas fini. Albarelli poursuit son enquête. Et il va découvrir un truc absolument effarant. C'est que la CIA a effectivement mené une opération dans le Gard durant l'année 1951 sous le nom de code Projet MK Noémie. Menée conjointement avec la CIA et le ministère de la Défense américain. Alors, je vous ai dit que les laboratoires Sandoz avaient synthétisé en 1938 l'acide lysergique qui est tiré de l'ergot de seigle et que ses propriétés ont été découvertes par inadvertance en 1943. Que l'armée américaine et Sandoz vont se mettre vraiment à bosser ensemble, probablement à la fin de l'année 50. C'est le professeur Hoffman, en personne, qui a découvert les propriétés hallucinatoires, qui va vanter les mérites de la chose aux Américains, en leur disant « C'est génial !» Vous mettez ça dans un truc à pulvérisation, vous pulvérisez ça sur les populations, youpi. Vous pourriez faire neutraliser et mettre en état hors course les populations civiles avec le LSD. C'est une bonne idée, n'est-ce pas ? Hors d'état de nuire. Affaire conclue. Et c'est comme ça, à cause de cette sortie d'Hoffman, que la CIA achètera sa CAM, donc le LSD, chez Sandoz. Alors au début, l'armée va rémunérer des militaires pour tester la chose. Ils vont se porter volontaires, ils seront rémunérés. Mais ça fonctionne bien, mais trop bien. Alors ils se disent « Oh !» C'est peut-être parce qu'ils savent qu'ils sont camés. Ah, on ne va plus leur dire. Hein. Pan. Donc, ils vont se prendre des bonnes doses de LSD avec des effets pas terribles. Alors, il y en a qui... Alors, vous pouvez voir des militaires sur des photos qui se gondolent de rire. On n'arrive plus à les faire s'arrêter de rire. Comme les gars, certains mecs qu'on a retrouvés à Pont-Saint-Esprit qui se bidonnaient en voyant la tête des gens qui étaient bizarres. Hein? Bon, sauf que pour les militaires américains, c'est pas forcément comme ça. Puis Albarelli, qui continue à examiner les documents déclassifiés, va tomber quand même sur une pépite. Alors ça, c'est pas des trucs de la CIA, c'est des documents déclassifiés du FBI, attention. Et que c'est une division spéciale de l'US Armée basée à Fort Dyrick, où il y a les programmes secrets. Là a été envisagée une contamination du réseau du métro de New York au LSD, dès les années 1950. Et la note qui est datée d'août 50 disait en substance « Les expériences de guerre biologique devant être réalisées par des représentants de l'armée dans le réseau souterrain du métro new-yorkais en septembre 50 ont été repoussées jusqu'à une date indéfinie. » Déjà d'apprendre ça, ça fait le froid dans le dos, mais vous allez comprendre pourquoi après ça a été reporté. Alors, on peut se dire qu'ils avaient cru qu'il fallait réfléchir un peu, parce que si les citoyens américains savaient, que l'US Army s'amusait à foutre du LSD, trop, c'est peut-être pas sérieux, enfin bon, bref. Bon, alors, on va aller voir ailleurs que sur le territoire américain pour les trucs bien pourris, pas seulement du LSD, mais d'autres machins, on va aller un peu faire des épandages à Antigua, aux Caraïbes, en Alaska... On va balancer de l'anthrax qu'ils appellent les trucs brûlants, mais pas que ça, il y aura des cams, il y aura tout, pipi, puis bon. Alors revenons-en à l'opération MK Naomi. En 50,
les pays européens, dont la France, sont infiltrés jusqu'à la gauche par la CIA. Créé en 1947, comme je vous le rappelle, pour aller infiltrer précisément, mais sous prétexte d'aide, évidemment. Donc, si l'hypothèse d'Albarelli n'est pas erronée, on peut très bien concevoir qu'à ce moment-là, puisqu'on est en plein dedans, on est en 1951, une opération de masse puisse être menée par les services américains dans une petite ville sans bien à l'écart où il ne se passe jamais rien et on ne va pas en faire des tonnes, qui s'appelle Pont-Saint-Esprit. Alors, il semblerait que dans un premier temps, on est pulvérisé par les airs, le machin. Puis ça n'a pas marché. Donc, les services américains auraient décidé de passer à la vitesse supérieure. Et comment leur faire bouffer le truc ? Comment ils peuvent le prendre ? Tout le monde mange du pain, puis les Français, ils en mangent bien. Et à cette époque, on mange plus de pain que maintenant. Donc, allons-y. Apparemment, ça serait passé comme ça. Puisqu'Albarelli, dans le cadre de l'enquête qu'il a menée, aurait rencontré d'anciens membres de l'US Army qui travaillaient alors sur ce programme-là et qui auraient confirmé que l'opération de Pont-Saint-Esprit était une opération américaine. Malheureusement, ces gens-là ont témoigné sous couvert d'anonymat. Oui, on peut comprendre. Donc ça n'a pas la même valeur irréfutable que des témoignages qui ont été faits nommément. Mais ce que ces gens vont également expliquer aux journalistes, c'est que si l'opération du métro de New York a été repoussée, c'est parce qu'on attendait les résultats de ce qui allait se passer à Pont-Saint-Esprit, avant de faire le bazar. Et comme on a vu qu'à Pont-Saint-Esprit, ça avait quand même tourné au vinaigre, et qu'ils n'avaient peut-être pas prévu que ça aille jusque-là, surtout qu'il y avait des morts dans cette histoire-là, ils ont laissé, entre parenthèses, jusqu'en 1956, en fait. Et ça ne va pas être dans le métro, ce coup-là. Va y avoir des opérations qui vont être menées sous les noms de Big City et Mad Hatter, ce qui veut dire le cinglé, qui consistait à faire tourner des automobiles autour dans les quartiers de New York. Et le pot d'échappement faisait évacuer les gaz de la voiture, mais également du LSD. C'était vachement sympa. On ne sait pas ce que ça a donné, mais apparemment, ça n'a pas été terrible. Mais en tout cas, d'après Albarelli, deux expériences mineures, auraient quand même été menées dans le métro de New York, sous la direction d'un certain George White, qui est vraiment une saloperie, lui aussi. Ça, en 1952-1953. Celui-là dirigeait le Bureau fédéral des narcotiques. Et il travaillait aussi en secret pour la CIA. Donc, on aurait fait à ce moment-là exploser dans le métro deux aérosols de LSD. Voilà. Elles sont des témoins anonymes, effectivement, qui ont également témoigné, et ça n'a pas la valeur d'une preuve irréfutable, évidemment. Alors, il y avait des rapports de White qui, normalement, faisaient état de ça. Mais malheureusement, ceux-là également ont été détruits en 1973. En tout cas, dans le fameux rapport de l'informateur qui est daté de 1953, qui relate la conversation qui a eu lieu entre le représentant des laboratoires Sandoz et l'ex de la CIA, il est bien souligné que le pain n'est pas en cause. Mais également, il est dit dans ce rapport que les services français auraient demandé au laboratoire Sandoz d'analyser des échantillons de pain. Et qui a dit Sandoz ? Que c'était pas le pain qui avait fait ça, mais qui avait du LSD. Du diéthylamide dans les échantillons. Voilà, c'était pas de l'argot. C'était pas de l'argot de sexe, c'était de la cam. Voilà, c'est tout. Et l'homme va aller plus loin, le témoin, puisqu'il va dire également que l'opération avait été encadrée, semble-t-il, par des membres des services secrets français. Donc, il se pourrait peut-être que l'opération ait été menée par les Américains, mais avec l'appui des services français. Et alors, il y a un petit document, j'ai renversé mon café tout à l'heure, mais on le verra mieux à l'écran, qui est quand même très intéressant dans cette histoire-là, qui n'a pas été détruit, hélas,
pour les preuves qu'on peut rapporter cette histoire, mais tant mieux pour nous, qui est sur papier en tête de la Maison Blanche et qui est en fait une fiche de renseignement rapide, comme on en transmet entre les différents, la Maison Blanche, les services de renseignement et tout. Il y a marqué en référence Frank Olson. Alors, elle n'est pas datée, mais bon. Puis, il y a toute une liste de noms. Et qu'est-ce qu'on voit sur la liste de noms après Frank Olson ? Pierre-Jean Lafitte, qui celui-là ne doit pas être un Inuit, hein. C'est un bon français. FNU Spiritum, c'est pour ce que c'est. George White, tiens, George White. Il y a marqué aussi French Embassy, donc ambassade de France. Puis il y a surtout marqué Pont Saint-Esprit Incident, avec entre parenthèses Olson. Tiens donc. Puis après, il y a deux autres noms qui n'ont rien à voir là-dedans. En tout cas, voilà le bazar. Donc, on peut dire que c'est un début de preuve parmi tout le faisceau qu'il y a qui pourrait donner l'idée que l'opération de Pont-Saint-Esprit, effectivement, pourrait bien avoir été commanditée et réalisée par les Américains. Dieu merci. Alors, ça faisait partie des pièces, cette pièce-là, qui était soumise à la commission Rockefeller en 1975, hein. Il y a une rumeur aussi dont on a parlé à un moment, mais alors elle n'est absolument pas vérifiée, comme quoi avant que se produise le drame de Pont-Saint-Esprit qui a commencé, comme je vous le rappelle, le 17 août 1951, aurait été vu quelques jours avant autour de la ville, posant des questions des gens qui venaient des laboratoires Sandoz. Mais bon, alors sur cette histoire de projet MKUltra, Albarelli va sortir un bouquin en 2009 qui s'appelle A Terrible Mistake. Suite à sa parution, ça va faire mal. Alors, il y a une autre rumeur qui va se répandre, comme quoi le directeur de la DGSE de l'époque, qui s'appelle Corbin de Montgou, aura adressé une demande d'explication au département d'État américain pour savoir ce qu'il en était exactement. Quand on a demandé à la DGSE des explications, elle a dit « mais non, il ne s'est rien passé ». Il n'empêche que ce livre, quoique non traduit en français, a eu un grand impact en 2010. Si bien, et ça vous pouvez le vérifier partout, que divers revues et journaux français, et non des moines, je veux parler du Monde, du Figaro, de l'Express, du Point, ils ont parlé de cette histoire-là. C'est-à-dire des liens de ce fait divers épouvantable qui a lieu à Pont-Saint-Esprit durant l'été 51 et les programmes secrets américains. C'est quand même pas mal. Et bon, l'ennui, c'est qu'il y a bien peu de preuves de ça. Il y a un faisceau d'indices concordants, comme on appelle ça en droit. Mais de preuves tangibles avérées, voilà. De toute manière, sur les preuves tangibles avérées, on ne risque pas d'en savoir davantage puisque tout a été détruit en 73. Il faut savoir également qu'il y a un autre journaliste qui s'appelle Steven Kaplan, qui lui aussi a écrit un livre, mais paru un an plus tôt par rapport à celui d'Albarelli, c'est-à-dire en 2008, qui explique pour sa part que l'agence United Press, lors de l'enquête menée en 51, aurait pour sa part réussi à se procurer des échantillons de pain contaminés, et que ces échantillons de pain ont été envoyés à des laboratoires américains. Des volontaires auraient absorbé le pain et aucun d'entre eux n'aurait présenté les symptômes constatés sur les habitants de Pont-Saint-Esprit. Donc, que s'est-il passé à Pont-Saint-Esprit ? Bah, on ne sait pas. Parce que si vous regardez bien, le mystère reste complètement entier. Vous avez vu les procédures qui ont mené finalement à pas grand-chose, parce qu'on n'a pas réussi avec toutes les expertises qu'il y a eu en France à faire quoi que ce soit, à sortir quoi que ce soit de cohérent. Vous avez Briand qui a payé pour les copains. Alors, il y a une seule victime qui a été dédommagée, donc la veuve, parce que l'arrêt de la cour d'appel est complètement nul, hein, à mon avis. Enfin, je discute violemment cette décision parfaitement injuste. Et c'est tout. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé ? Rien. On n'en sait rien. Et puis bon, les programmes, effectivement, il y a eu un programme MKNoemi, ça on en est certain. On a des faisceaux d'indices, mais de façon avérée absolue, on ne sait absolument pas
de nos jours, ce qui s'est passé à partir du 17 août 1951 dans la bonne petite bourgade de Pont-Saint-Esprit. Et je pense que le mystère restera entier pour longtemps, peut-être pas pour toujours parce qu'on ne sait jamais, mais que pour l'instant, c'est encore du domaine de l'énigme. Voilà. Incroyable. Alors, première réaction, mais comme d'habitude, Elisabeth, sur ce travail immense que tu as abattu pour nous proposer une synthèse de ce dossier, je pense qu'il sera difficile sur la toile de trouver une enquête plus approfondie sur ce dossier de Pont-Saint-Esprit, honnêtement. J'espère en tout cas que tout le monde de ce soir aura appris énormément de choses. Deuxième réaction, c'est toute la partie sur le projet MKUltra. C'est à désespérer de la nature humaine parfois. Encore une fois, l'ombre et la lumière, l'être humain est capable du meilleur comme du pire. Et là aujourd'hui, c'est le pire qu'on a vu. Et ça me fait penser qu'on rejette beaucoup de... Tu sais, souvent, quand on a envie de montrer l'aspect diabolique de l'humain, on parle des nazis. Mais en fait, le nazisme ne s'est pas arrêté à la fin du Troisième Reich, malheureusement. Et cette méthode nazie ont été exportées. Et tu le disais, les Russes, les Américains sont tombés dedans. Je pense que d'autres pays ont fait pareil. Les Chinois, c'est pareil, d'une autre manière. C'est-à-dire toutes les grandes puissances à l'heure actuelle qui sont en train de dégénérer parce que je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe dans le monde à l'heure actuelle, mais il y a quand même des choses qui ne vont pas. Des risques avérés avec des dingues aux commandes qui risquent de poser problème. Et on a vu ce que, parmi les dingues, ce qui s'est passé l'année dernière. Et il y en a pas mal d'autres qui ont été allumés. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Pierre Fitt avait dit dans un bouquin dans les années 70 « Quand la Chine s'éveillera, elle est bien réveillée hein. ». Et on sait ce qu'elle est en train de faire. On sait, et Poutine ne s'en cache pas, des essais qu'il est en train de préparer. Je vais vous dire, les mêmes forces sont à l'œuvre. Vous n'avez jamais eu autant de gens qui étaient dingues et qui vont tuer n'importe qui pour n'importe quelle raison, à n'importe quel moment, dans la rue. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ce qu'on sait, c'est que de plus en plus des gens prennent des drogues dites douces dans tous les milieux sociaux. Et que moi, j'ai un réflexe quand je lis un fait divers où il y a eu une horreur qui s'est produite brutalement, c'est de regarder ce qui se dit sur le mode de vie des personnes. Allez, les trois quarts des cas sont des gens qui ont des addictions. Soit la drogue, majoritairement, soit grosse addiction à l'alcool. Donc ce que je pense, c'est qu'indépendamment des expériences qui peuvent être menées par les uns ou les autres, il y a des portes qui peuvent s'ouvrir dans le cerveau du fait de substances qui permettent à des forces obscures extérieures et non humaines de nous manipuler. N'oublions pas que les nazis, et on le sait, et de façon avérée, étaient pour la plupart des drogués, Hitler le premier. C'est vrai. Voilà. Donc quand on aura compris que cette pourriture de drogue, et que l'alcool à haute dose, est une porte grande ouverte à des choses qui peuvent nous manipuler, on n'a pas besoin des humains pour ça, mais que les humains qui font ça, sont eux-mêmes manipulés, ben je crois qu'on aura compris beaucoup de choses. Voilà ce que j'ai à dire. Et voilà qui est dit. Elisabeth, un grand merci pour ce dossier sur Pont-Saint-Esprit et sur les opérations secrètes de la CIA. C'est un plaisir de t'accueillir à nouveau et j'ai vraiment appris énormément de choses aujourd'hui. Donc un grand merci et j'espère à bientôt. Merci. Bah, à bientôt. On va trouver un autre sujet, on y réfléchit. Bonne soirée, bonne nuit. Au revoir. Les Nuréens, merci à vous d'avoir suivi cette émission. Je vous le rappelle, si l'émission vous a plu, le premier réflexe à avoir, c'est de mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. Ça lui permet d'être mieux référencé sur la toile. Deuxième chose, si elle vous a plu, vous pouvez aussi partager le lien de la vidéo sur les réseaux sociaux et le diffuser autour de vous. Voilà, je crois que si vous faites tout ça, encore une fois, si ce contenu vous a plu, eh ben c'est vous qui serez les premiers ambassadeurs des contenus qu'on diffuse sur Nuréa TV. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Prenez soin de vous, gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao.